Pardon. Bon. Est-ce que c'est réparé? Qu'est-ce qui s'est passé, bordel? J'espère que vous allez bien. J'espère que ce live fonctionne. Ok. Donc. Je ne sais pas s'il y a déjà des gens ou si j'ai perdu tout le monde avec ce bug. Je sais pas si je vais encore bugger, les gars. Je sais pas si c'est un bug d'internet ou je ne sais quoi. Je trouve ça chelou parce que ça fait deux fois que ça arrive en un mois sur lequel le live, tout fonctionne correctement. Et dès que je lance le live, c'est là que ça commence à déconner. Le PC va bien, la co, c'est la co en fait. C'est la co, mais comme s'il y avait des problèmes de co, peut-être qu'ils font des construits ou je sais pas, des rénovations, aucune idée. Ils sont flingués, les gars. Mais normalement ça va. J'avoue que j'aimerais beaucoup s'il y en a qui pourraient me dire si le live fonctionne de la bonne façon cette fois-ci. Si jamais il y a quelqu'un qui peut m'écrire sur le chat et me dire ok ça va, t'es en ligne déjà. Parce qu'on sait jamais hein, OBS me dit que je suis en ligne, mais imaginez que ouais, c'est pas que je suis en ligne et que bah du coup ça c'est pas saccadé ou quoi que ce soit, que tout marche correctement. Parce que, ouais, quand même, c'est... Ouais, c'est bizarre, hein. C'est bizarre. Bon. Là, ici, il y a un écran noir, c'est normal. J'ai juste changé d'écran. Du coup, c'est normal. Bon. Donc. Je vais juste aller vérifier que vous n'êtes pas fait envoyer 20 000 notifs par Discord. Ok, non, ça a l'air de bien se passer. Ok, Discord ça marche, ma voix elle marche normalement. Servus, il est là comme d'habitude, bien évidemment. Lundi DBD commence avec un peu de chaotisme, mais ça va, on est là. Donc, on était en train de parler des perks. J'aimerais les gars changer le sort, personne n'échappe à la mort. Parce qu'en vrai de vrai, je trouve ça fou, pas ça fou en vrai. Du coup, débloque une capacité de réparage d'aura chaque fois qu'un générateur est complètement réparé. Les survivants dans des rayons de 16 mètres du générateur sont révélés pendant 5 secondes. Lorsque le dernier générateur est entièrement réparé, tous les auras du survivant sont révélés pendant 10 secondes. Ok. Ouais, bof. bof. Poursuivant meurtrier. Vous avez été conçu pour traquer et éliminer vos cibles. Au début de la partie, vous voyez l'aura de tous les survivants pendant 9 minutes. Chaque fois que l'aura d'un survivant est révélée, pour une certaine durée, cette durée est augmentée de 2 pour 2 secondes. Ok. Ça peut être cool. Bonjour, Genovix. Comment ça va? Hey, Genovix, je viens d'avoir des soucis de connexion avec mon stream. Tu peux me dire si tout marche? Tout ça va? dis-moi si tout, si l'image est clean, si ma voix est clean, si ça bug pas ou quoi que ce soit. Débloque une capacité d'aura, révélage, un truc critique dans un rayon. Ouais, ça peut être bien, ouais. Les sorts, j'aime pas du coup, c'est nickel, t'inquiète. Ok, merci beaucoup. Et du coup, sinon, qu'est-ce que tu deviens? Comment ça va? Comment tu te sens à l'extérieur de ton corps? Non, c'est pareil. du coup, personne n'échappe à la mort, non, pas ça. Vous devenez obsédé par un survivant chaque fois que votre obsession part en état de santé. Le temps d'ouverture des portes de sortie est augmenté de 4 secondes. Attends. Le temps d'ouverture des portes de sortie est augmenté de 4 secondes. Ah ok, mais c'est énorme. Jusqu'à un maximum de 16 secondes. Non mais quand même, ouais, ça peut être bien en vrai. Je pars en fleurie de temps. Oh putain, en fleur. Ah mon dieu, les gars. Genovix. Totalement dans la thématique du mois qui vient de passer. Puisqu'on a commencé Hogwarts Legacy comme des fous et que c'est trop bon le jeu. Lui, vous savez qu'il s'en va. Comment ça s'appelle? Il s'en va à Universal Studios en Floride. Dans justement la partie de Harry Potter qu'il y a là-bas. Il s'en va à Pré-Holor, genre. Il s'en va dans chemin de traverse. Je suis, mais totalement jaloux de cet homme. Je suis totalement jaloux, mec. Salut, Jojo.
Tu as eu des bugs, non? Ouais, il y a eu des bugs. Au tout début, il y a eu un gros bug. J'étais obligé de redémarrer le PC, mais là, ça va. À ce que je vois, Genovix m'a dit que c'était bon. Et je vois qu'il n'y a aucune image perdue. Je sais pas ce qui s'est passé. Tout marchait correctement. Là, je lance le live et tout a crashé. Je me dis, bon, aucune idée. Je crois que c'est la connexion. Aucune idée. Vraiment, mais bon, j'ai redémarré le PC et tout va bien. Je crois que la prochaine fois, je vais redémarrer le PC avant le live. Comme ça, je suis sûr, si jamais. Même s'il n'y a rien, genre, je vais redémarrer le PC, je pense. C'est chelou quand ça arrive, en vrai. Très chelou. Ah, bon. Tout survivant repérant un générateur souffre des effets de statut aveuglement et... Attends. Tout survivant réparant un générateur souffre des effets de statut aveuglement. Épuisement. Si le survivant s'ouvre déjà épuisement, le compte à rebours de son effet de statut sera mis en pause. Les deux effets de statut durent 5 secondes après l'arrêt des réparations. Mais c'est beaucoup trop fort. Je prends ça. Je prends ça, les gars. Et sinon, Jojo, comment s'est passé ton week-end? Oh mon dieu, mais j'arrive pas à y croire, Genovix. Vraiment, mais je suis complètement jaloux. Miss. Miss. C'est tout à l'heure que Genovix part en Floride pour aller à Universal Studios, à Pré-Roller, dans les chemins de traverse, dans Universal Studios. Nice. Ah, je veux aller avec lui! Je suis complètement jaloux! Oh, Miss, à la main dans quelque chose d'humide! C'est normal, c'est une cuisinière, les gars, c'est normal. Merci pour ton heure, Miss. Je vais sûrement acheter un appareil photo en Floride, première caméra. Oh! Écris-moi! N'hésite pas à m'écrire. Non, mais attends, tu peux pas me texter. Écris-moi sur Messenger, Genovix, ok? N'hésite pas, quand tu dis Wi-Fi et tout, envoie-moi des photos, explique-moi ton voyage. Vas-y, je veux tout savoir, ok? Je veux tout savoir, écris-moi. Ok, j'ai pris ce que je voulais, je suis content. Et là, déclencher un piège onirique. Attends, déclencher un piège onirique ou une palette inflige aveuglément pendant 30 secondes. Ok. Aveuglément, ça fait quoi aveuglément? Je me rappelle plus, les gars. Est-ce que quelqu'un se rappelle? Je vous souhaite bon voyage, mais totalement. Sûrement, petit Sony ZV-10 pour commencer. Le ZV-10, c'est celui qui vient de sortir. C'est le dernier modèle, Geno, non? Je me rappelle même plus parce que c'est le vieux modèle, il sera pas en magasin hein, en Floride. Genre tu le verras nulle part. C'est les bah quoi que. Oh! Shadow! Qui va taper une bonne claque bien placée ton Dust of War. Félicitations, GG à toi. Du coup, qu'est-ce que j'allais dire? Non, mais quoi que, c'est vrai que quand il y a des stands, des magasins de photographie et tout ça de caméras. C'est vrai qu'ils ont souvent des vieux modèles parce que les caméras, c'est pas comme les téléphones, genre c'est pas ah, il y a une nouvelle caméra à chaque année, etc. Non, les caméras qui étaient bonnes il y a 10 ans sont encore bonnes maintenant, genre c'est vraiment cool. C'est de la bonne qualité en fait, c'est de la bonne cam, les Sony, les Panta, les. Putain, c'est quoi l'autre, la marque, genre super populaire, Canon évidemment. Non, ils font des trucs de fou en vrai. Il est sorti en 2021. Ah, ça va, c'est pas un vieux modèle. Ok, non, je croyais que c'était plus vieux que ça, le modèle Geno. Mais sinon, j'ai adoré mon week-end avec mon Shiny Rugilune. Ben oui! Mais tellement, mais exact! Et c'est trop beau ce Shiny. J'ai pas eu que lui, j'ai eu aussi un Fungus Fury. C'est lequel Fungus Fury? Je me rappelle plus, Geno, Jojo. Ok, ben, je pense que c'est bon pour nous. On va y aller. Et comme. Comme je l'ai dit tout à l'heure pendant que je buguais de fou, je vais commencer, je vais essayer un défi. Et on va le faire de temps en temps quand je vais jouer à DBD le lundi. Je vais essayer de voir combien je suis capable de faire de meurtres en une heure. Ce qui veut dire qu'il va avoir un compte à rebours et il va avoir le compteur à chaque fois que je sacrifie une personne et qu'il meurt. Pas qu'il se déconnecte. Pas qu'il est par terre, mais qu'il vraiment il meurt par l'entité ou de ma main, je fais un point. Et du coup, mon objectif, c'est de faire le maximum de points. On va voir comment je m'en sors. Et au fur et à mesure des lundis, on verra quelle est ma moyenne, en fait. Du coup, on verra. C'est le goulet du passé. Ah, ok, d'accord. Le goulet du passé. Le goulet du passé. C'est le champignon. Ouais, champignon.
Ah, mais je me rappelle plus du tout de sa version de sa version Fury. Je me rappelle plus du tout. Tu vois, j'adore en fait la version normale. Je l'adore. Je me rappelle plus du tout de sa version dans le cratère de Paldea. Ça m'énerve. Et sinon, Genovix, qu'est-ce que t'as le plus hâte de faire dans ton voyage? Bon, les gars, je me mouche une bonne fois et après, la partie va commencer. J'espère. C'est bon. Bon. La partie n'est pas encore commencée, mais qu'est-ce qui se passe? C'est long. Et là, si je me rappelle bien, Genovix, tu vas être tout seul avec ton frère dans l'avion, non? Il n'y aura aucun adulte avec vous, je crois, non? Il me semble, de ce que je me rappelle. Ça va trop être stylé. Oh là 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 là, tu vas kiffer, je te promets que tu vas kiffer. What the fuck? Mais attends, mais c'est gigalant de trouver une partie, mais c'est normal. Tant que le stream bug pas. Tant que le stream ne se met pas à bugger comme tout à l'heure, c'était dinguerie, c'était n'importe quoi, les gars. C'était vraiment trop bizarre. Ok, on va se mettre prêt. Et dès que je rentre en jeu, dès qu'il y a le loading. Attends, dès qu'il y a le chargement. Dès qu'il y a le chargement, je mets le doigt sur le bouton et j'appuie dès qu'on rentre dans la partie. Ok? Parce que ça, c'est pour le compteur rebours. Et comme je le disais tout à l'heure, dès que ça fait 60 minutes à la seconde près, j'arrête de comptabiliser les meurtres. Et on voit combien est-ce que j'aurai. Combien est-ce que vous pensez que j'allais avoir de... Combien est-ce que vous pensez que je vais réussir à tuer de personnes en une heure? Mais sinon, la version 3.5 mercredi sur Genshin. Attends, elle est pas déjà sortie, Jojo? Je crois qu'il était déjà là. Mais non. Attends, non, c'est les nouveaux persos qui sont là, mais pas la nouvelle version, c'est ça, Jojo? À moins que tu parles juste du live. C'est possible aussi. C'est parti. Moi, j'étais pas chez moi. Je n'ai pas pu farmer mes quêtes Kotsi pendant 2 jours, mec. Là, je suis arrivé, je suis allé vite fait faire un peu de résine et je vais faire mes quêtes quotidiennes juste après le live pour pas les gaspiller. Mais ouais, ça m'énerve quand je rate des quêtes quotidiennes, ça vient me prendre. Le corbeau sembleront et croiseront s'ils sont dérangés. Croiseront, what the fuck, c'est quoi ce mot? Je connais pas du tout ce mot. C'est parti, le compte à rebours est démarré. Déjà, on va mettre des fausses palettes juste autour de moi ici, parce que c'est beaucoup trop bien pour ne pas en mettre. Où êtes-vous, petit être de chair? L'objectif, c'est le plus de meurtres possible en une heure. Ah, j'en vois un déjà. J'en vois un déjà, les gars. Ah, 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 ah. Ah, il est parti, j'arrive. Ok, c'est peut-être notre premier kill, les gars. C'est peut-être notre premier kill. J'espère fortement que oui. Ah, merde, foiré. Avec un peu de chance, il va aller voir une de nos fausses palettes. Ce serait assez cool, en vrai. Non, il est parti ailleurs. Non, pour l'instant, ce serait de nouvelle manière le jour de la nouvelle version. Et la version 3.5 arrive le 1er mars. Nous sommes encore... Ouais, attends. Non! Je savais! Nous sommes encore en 3.4. Ok.
Ok, ok. Du coup, c'est que les nouveaux persos, c'est ça? C'est les nouveaux persos qui vont être là mercredi. C'est mercredi qu'ils sont là? Non! J'ai vraiment raté comme une merde! Qu'est-ce que j'ai fait? Façon, il y aura une mise à jour comme chaque version Genshin. Ouais, clairement, clairement. Ok, toi, j'arrive, t'inquiète, t'inquiète. Je vais t'avoir aussi. Oh non, j'aurais aimé qu'elle aille vers la palette. Ça aurait été si bien. Ouais, c'est ce qu'elle va faire, c'est ce qu'elle va faire, c'est ce qu'elle va faire. Ou pas. Mais non. Non, ascenseur émotionnel de merde. Je suis là, je la drop, je suis comme, yes, j'ai fait tomber quelqu'un. Je me retourne, étoile de tigre, remets l'haricot magique, merci. C'est sale ça, c'est sale ça, étoile. C'est pas gentil. Je prends de l'avance, t'inquiète, j'ai remarqué. J'ai bien remarqué, étoile. Sinon, comment ça va, étoile? T'as passé un bon week-end? Ok, où est-ce qu'ils sont? Ils sont par là-bas. Ok, on va y aller. On va y aller, y'a pas de soucis, y'a pas de soucis. On va les déglinguer, t'inquiète. Ils sont pas prêts! Je les ai vus, les gars. Je les ai vus, je les ai vus. Hein? Arrête, mais il était là? What the fuck? Mais il était là? Mais non, mais attendez, mais j'ai vu quelqu'un. Bien, et toi? Oui, ça s'est très bien passé. Par exemple, je suis fatigué. Hier, je suis revenu. Il était 1h30 du matin. J'ai pris une bonne douche. Après, je me suis couché, je me suis endormi. Il était très, 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 très tard. Du coup, je suis très fatigué. C'est pour ça que, bien évidemment, la boisson énergisante, elle est là, comme d'hab. Ah, sinon, sinon, ça serait un peu compliqué, je t'avoue. Ok, je l'ai perdu, les gars. Ah, merde. Je l'ai perdu, j'avoue. J'en ai retrouvé un autre. Ça va. Coucou! Ah oui, je l'ai touché, je l'ai touché. Oui, oui, mon objectif, c'est de toucher des gens, c'est normal. Non, il est mort, il est mort, il est mort. Et voilà, et voilà. Il est où? Ok, il est là. Ok, ça fait 4 minutes, j'ai tué personne encore. Ça fait 4 minutes déjà. C'est trop, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Ok, et de deux sur le crochet en vrai. Et de deux sur le crochet, possiblement, ça va. Je crois. Et merde, ils sont là-bas. Ok, on va y aller, on va y aller, on va y aller. Il y a un générateur qui est sur le point d'être fait ici. Ah non. Hein? What the fuck? Mais je l'ai même pas vu! Attends, mais ils viennent de pop devant moi, c'est moi qui fous. Le gars, rien à foutre, hein. C'est un kill gratuit, mais c'est ça va, hein. Ça, j'ai le droit. Hein. On est d'accord que j'ai le droit de le buter, même s'il bouge pas. Vous êtes censé me dire oui, ça va, c'est un bon kill, tu fais très très fort. Félicitations, peps. Ok, elle, je vais la voir. Là, je vais la voir, elle pense que c'est une vraie palette. Et non! Elle me déteste. Voilà. Viens. Allez, ma belle Ada. Ada est tellement belle en plus avec sa belle robe rouge, les gars. Sincèrement, si jamais il y a des meufs qui sont sur le stream et qui se demandent de quelle couleur j'achète ma prochaine robe. Rouge, ok? Rouge. Non, tu mérites de manger 2 haricots magiques. Non, c'est pas vrai ça. C'est pas vrai, ça. Je t'ai vu, toi, je t'ai vu. Ouais, je pense... Hein? Il y a eu un bug ou c'est moi? Hein? Oh non, ça crash! Mais non! Ok, c'est moi qui ai crash. Les gars, le live est pas bien. J'ai eu des bugs tout à l'heure, du coup, là, j'ai peur.
Déconnexion de l'autre. Vous avez été déconnecté de l'autre. Ok, c'est pas moi. C'est pas moi le souci. C'est la personne qui était... Ah, merde. Alors, du coup, faut recommencer. Je n'ai fait aucun meurtre. Non, non, mais ça va. On va recommencer le compte à rebours, les gars. C'est pas possible, ça compte pas. Hein. Puisqu'on a pas fait de kill, on va recommencer la partie. Ça vaut pas le coup de comptabiliser cette partie. Ah, mais c'est dommage. Mince, le bug à la con. T'inquiète, le live bug pas. Ok, non, c'est ça. Mais je me suis dit, puisque tout à l'heure il y avait un bug, j'étais comme ah non, tout est en train de recracher encore. Non, je suis en train de paniquer, je te jure. La boisson d'enregistrement fait du bien, les gars. Par exemple, elle se boit beaucoup trop vite. Beaucoup trop vite. Pourquoi je suis contre que 3 survivants? C'est normal, ça? Il est censé en avoir 4, monsieur. Madame, je veux pouvoir faire plus de kills. Il faut plus de survivants, s'il vous plaît. Ah, voilà, voilà, voilà. Oh, Gypsy qui se ramène. Comment ça va? Comment s'est passé ton live au final, Dipsy? Merci beaucoup pour ton raid. Merci beaucoup. Oh là là. Eagle Wolf. Putain, j'aime ton pseudo Eagle. Ça fait très... En fait, je trouve que ça fait très armé. Est-ce que par hasard, tu es un joueur de Call of? C'est drôle parce que normalement, quand les gens viennent sur le live et que je suis... Bah, je pose la question, est-ce que tu es un joueur de jeu que je joue déjà? Là, je suis zéro sur Call of. Mais c'est ton pseudo, il me fait penser à ça. Fut un temps. Ah, ok. Et est-ce que ton pseudo vient de ce fut un temps? Hey, je ramène mon fiac. Comment ça va, Dipsy? Comment s'est passé ton week-end? J'ai pas pu te parler beaucoup tout à l'heure, en fait. Comme je disais tout à l'heure, je suis revenu chez moi tard et tout. J'ai eu des trucs à préparer. Et j'étais un peu pressé, en fait, ce matin à préparer tous mes trucs. Du coup, j'étais pas trop. Je pouvais pas être trop présent. Mais sinon ça va, j'ai vu que Dipsy tu t'es abonné à la Rockstar. Oh merde, c'est un Monster, fais chier. Mais c'est pareil, Rockstar, c'est pareil. J'ai vu. Il me semble qu'avant tu prenais pas de boisson énergisante, non Dipsy? Week-end complexe, mais je suis de retour, c'est parfait. C'est ce qu'il faut. Là, je réitère du coup, puisque vous êtes de nouvelles personnes à arriver sur le stream. Je vais faire un genre de petit challenge aujourd'hui. C'est plus un défi personnel. Je veux comptabiliser combien je suis capable de faire de kills en une heure de DVD. Et on va faire ça à chaque lundi et on va voir quelle est ma moyenne. Cela va avoir rapport avec une idée d'événement que j'ai pour la chaîne pour les joueurs de DBD. Ce sera en rapport avec DBD, mais du coup, vous savez, j'ai compris, vous avez capté. Coucou Matt, comment ça va? Oh mon dieu, par exemple, j'ai encore un énorme changement de voix au niveau de ma gorge, les gars, ça n'a pas changé. Surtout que j'ai passé le week-end du coup chez mes beaux-parents, mais mes beaux-parents, ils ont trois chats qui perdent énormément de poils. Je suis pas particulièrement allergique, mais pour quelqu'un qui a mal à la gorge et qui tousse tout le temps, je vous avoue, avoir des boules de poils qui rentrent dans votre bouche pendant tout le week-end, c'était pas ouf. Alors je pense que ça m'a pas trop aidé, malheureusement. J'arrive. Regarde, coucou, je suis là. Merde, putain, il est où? Ok, il est rentré. Mais sinon, je joue à Pokémon avant Genshin. Pourquoi? Car sur Pokémon Écarlate et Violette, j'ai eu une apparition massive de Compagnol. Ça vaut le coup de la faire. Enflure. Pourquoi il m'a mis une palette dessus? Les palettes sont mes amis de base. Moi, ça va bien et toi? Bah, je vais bien. Je vais bien. Comme la semaine passée, Matt. Mais non! en vérité, ça va beaucoup mieux psychologiquement. La grosse mauvaise passe de ma vie est presque derrière moi. Je ne sais pas si ça s'est vu, mais je me sens plus énergique. J'ai repris ma vie en main. Et ça, c'est cool, mais c'est plus que cool, ouais. Merde, mais non! Les gars, j'arrive pas. Mais voilà pourquoi je dois faire un défi de combien de kills je suis capable de faire en une heure, les gars. Je suis cassé en deux, en fait, comme ça. Du coup, le défi va être drôle. Il va être ridiculement drôle. Les gars, où sont les crochets? Ok, il y en a un là-bas.
Coucou Fox, comment ça va? Alors ton week-end Fox, t'as farmé sur Warframe ou pas? Ou t'as déjà arrêté Warframe? Tu peux plus jouer aux jeux vidéo, c'est ça? Pourquoi? Attendez les gars, ah ils sont là-bas, on y va. C'est vraiment nécessaire de faire ce genre de défi. Oui Matt, mais tu vas comprendre après, dans quelques semaines. Tu vas comprendre pourquoi je fais ce genre de défi dans quelques semaines, Matt. Je t'ai vu toi. Non. Yeah. Oh putain, je l'ai raté, fais chier. Mais non, j'arrive pas. Non. Ah ça, c'était très drôle. Ah, il a tellement perdu de temps pour rien. Oh merde, ça c'était nul de ma part. Voilà, je l'ai tellement eu grâce à mes fausses palettes. Je voulais tellement m'en voir avec mes fausses palettes. C'est très drôle. Faudrait m'en parler. Ah, t'inquiète, eh ben, y a de très bonnes chances que je t'en parle puisque tu es un streamer DBD, Matt. Cependant, ça va être un peu comme... faut pas que j'en dise trop. Je ne dois pas en dire trop parce que sinon ça va casser la surprise. Je reprends goût à la vie bientôt, la vraie reprise du sport en salle. Je vais essayer de foutre un peu plus les pieds dehors. Apparemment ça aide. Ben oui, clairement ça aide mec. Moi tu vois, je suis très casanier, j'aime rester chez moi et tout. Mais je sais que ça m'arrive quand même parfois de sortir, de faire un petit truc avec des potes et tout, tu vois, ça fait du bien quand même. Ça fait vachement du bien ben, comme tu dis, de foutre les pieds dehors, ça, je sais pas, ça aide. Il y a un truc qui fait que ça fait du bien. pour savoir si c'est concret de faire ça. Non mais t'inquiète, c'est concret. C'est concret, t'inquiète. Y'a pas de soucis à ce niveau-là. Oh wow. Et non, ils sont pas passés encore. Quoi? Mais non! Ils étaient pas censés passer un après l'autre? Mais c'est quoi ce bordel, les gars? Pourquoi elle est pas tombée? Ouais, c'est ça. Bah, t'es tombé maintenant. Bravo, félicitations. Tu penses que parce que t'as une jupe, j'allais te laisser partir? Jamais. Voyons. C'est drôle parce que elle pense que je l'ai pas vu rentrer dans son casier et du coup ça va être drôle. Ça va être très drôle les gars. Est-ce qu'elle est partie? Oui, elle est partie. Une chance pour elle. Mais là elle est ici. Je l'ai vu. Je me suis acheté un nouveau clavier qui était censé avoir des switches mécaniques dedans. Mais le Walmart avait le mauvais clavier dans... Oh non, mais non! Ah, what the fuck? Mais Fox, si tu veux un clavier mécanique, j'ai des bons... j'ai quand même des bons trucs à te recommander. Hein. Encore une fois, déjà, il y a tellement de sortes de switches, les gars. Il y a tellement de sortes de switch, ceux qui font des clickies, ceux qui font juste la vibration, ceux qui font pas de bruit, qui sont silencieux. Il y a tellement en fait de switch, tout dépendant de quel genre de switch tu veux, Fox. Il y en a que c'est... Ce qui est cool en fait, c'est genre SteelSeries, Razor, qui d'autre aussi? Je crois que c'est... putain, comment il s'appelle déjà? Asus, je crois que t'as le choix de switch. T'as genre plusieurs choix de switch quand tu prends un clavier, ça c'est très très stylé. Merde, je croyais qu'il y avait quelqu'un. Je me suis fait mener en bateau, les gars. Ok. J'ai trippé sur la démo, mais c'était pas la bonne pancarte. Il était affiché 50. Déjà, 50 balles pour un clavier mécanique, c'est mort, hein, c'est impossible. À moins que ce soit au USA, peut-être, Fox, parce que je sais que tu vas souvent aux États-Unis, que tu passes souvent aux États-Unis. Là j'aurais pu le croire, mais ouais quand même quoi. 50 balles pour un clavier mécanique, Fox. Dans un magasin comme Walmart, ok, ah bon, ok. C'est...
J'aurais peur de la facture du clavier, je t'avoue. Hein. 50 balles. Waouh. C'est rien, en fait. C'est vraiment, littéralement, rien pour un clavier mécanique. Attends, c'est barré où? Oh, j'arrive. Il pense que parce qu'il a un manteau, il va partir, genre. Non. Tu peux te protéger du froid, mais pas de moi. Comment ça zone la cave? Non, c'est parce que tout à l'heure, je pensais qu'il y avait une personne. Du coup, je suis reparti par là, mais non, pas du tout. Il y avait personne. Coucou, Mehdi. Coucou, Soma. Comment allez-vous, les gars? Ça me fait plaisir de vous voir. Est-ce que vous étiez là au début ou pas? J'ai pas payé très cher le mien. Tu l'as payé combien, ton clavier mécanique, Dipsy? Et quand je dis mécanique, les gars, c'est que c'est vraiment... Non, mais vous savez c'est quoi un clavier mécanique, quoi. Mais il y en a... non, mais je pense que les moins chers, c'est... on les trouve chez... putain, comment ça s'appelle, là? Merde, ils font des chaises aussi. Merde, comment ils s'appellent? Mais genre, c'est 75 balles, un truc comme ça. C'est les moins chers qu'il y a. Putain, mais comment ça s'appelle? Je me rappelle plus du tout. Ça m'énerve. Ah, excuse, donc je viens d'arriver, perso. Ok. Non, je demandais parce qu'au tout début, il y avait eu un bug de Clustrum. Du coup, j'étais obligé de redémarrer le PC et tout. C'était un délire. Ah, j'ai tué une personne, les gars, j'avais pas vu. On augmente de 1. Du coup, on a un kill. Ah, bonjour, toi. Elle est pratiquement tombée du casier. C'était très drôle, ça. Je la suivais même pas. J'étais en train de regarder le chat, les gars, et tout d'un coup, je vois la meuf sortir devant moi. Entre 20 et 30 balles. What the fuck? Entre 20 et 30 balles. Et... Ok. Ah non, mais oui. Ah oui, non, mais Dipsy. Ah non, mais ça va. Toi, c'est des euros, Dipsy. Là, je peux le croire. Mais Fox, il dit en canadien. En canadien, les gars, 50 balles, c'est... Ouais, non. Bah, encore là, non, 30 balles, c'est... 50 balles, ça équivaut à 30 euros, hein, effectivement. Alors, ça revient un peu au même, au final. Oh, what the fuck. Oh, je la déteste, elle. Je la déteste. Je vais l'avoir, hein, les gars. Je vais l'avoir, c'est mon deuxième kill. Je vous le dis, c'est mon deuxième kill. Je me suis planté. C'est peut-être pas le bon côté. Mais je vais quand même l'avoir, les gars. Les gars, je sais pas, elle est où. Elle est encore en haut. Je ne sais plus elle est où. Elle m'a complètement... Elle m'a niqué. Merde! Je l'ai perdu, mais je suis sérieux. Faudrait que tu m'en parles de cet event que tu veux faire. Mais je vais... je sais pas, Matt. Ça va être une surprise. Je sais pas encore si je vais t'en parler avant que je le fasse. Ben, avant que j'en parle à tout le monde, quoi. Ça très bien, je peux pas être plus content. Comment ça, Mehdi? Qu'est-ce que t'as eu? Qu'est-ce que t'as obtenu, Mehdi? Qu'est-ce qui se passe? Explique-moi tout, dis-moi tout. Oh merde, what the fuck, j'ai tué une seule personne, mais non. J'ai réellement tué une seule personne, les gars, mais c'est... Je suis atrocement nul. Donc, pour une fois, tu n'étais pas très à l'heure, ce qui prouve que tu es un humain. Ben oui, évidemment. Évidemment. Bah tu vois, j'ai démarré le stream à la bonne heure, Dipsy, mais il y a eu des bugs dès le début. Alors j'ai écrit dans le chat, genre, s'il y avait des gens qui étaient présents, que j'aurais démarré le PC et que je revenais vite fait, genre. Parce que ouais, clairement, les bugs, c'était mort. Je peux pas stream comme ça, hein. Il y avait des grosses pertes d'image et tout, c'était ignoble. Non mais attends, mais c'est parce que je le déteste. C'était très drôle, ça. Bah oui, mais c'est que tu vas mourir un peu. C'est que tu vas mourir un peu. Non, mais un peu beaucoup, je jure. La souris, je ne sais pas, c'était de... Non, mais attends, mais les gars. C'est moi qui dépense trop d'argent pour mes trucs, c'est ça, vous allez me dire. Bon, ma souris m'a coûté 160 balles. Parce qu'elle était discontinuée. Du coup, j'ai réussi à trouver une personne qui la vendait plus cher que le vendeur. Mon clavier, je l'ai payé... putain, combien je l'ai payé déjà? 150, peut-être. Pourquoi je paye trop cher mes trucs, les gars? Qu'est-ce qui se passe? Oh oh oh. Oh oh oh. Oh,
désolé, mais peut-être que tu es un peu morte, toi. Je crois que ça fait au moins deux fois que je t'accroche. Désolé. T'inquiète, ça se comprend, j'aurais fait la même chose, mais tu connais pas les bons bails, toi. Comment ça, les bons bails, Dipsy? Deuxième kill, les gars. Deuxième kill. Hein? Ah, ok, l'autre personne, elle a fui. Et du coup, troisième kill, puisque elle, c'est la dernière personne sur les crochets. Et ça va. Ça fait trois kills. On est d'accord, hein? Ouais, exact. Ok, 3 kills, 12 minutes, ça va. Je crois que c'est déjà une bonne moyenne, non, Matt? Tu l'as fait avoir en beauté, tu lis trop ton chat. Oui, mais j'aime lire le chat, Matt. C'est une des raisons pour lesquelles je suis sur DBD, hein, sur un jeu tranquille et tout, même si je suis nul, on s'en fout un peu. Je prends DBD un peu comme un jeu pour le plaisir, tu vois. C'est pas grave si je suis nul, etc. Je connais pas les bonnes affaires. Arrête! J'ai payé mon clavier de base, il coûte genre 200, je l'ai payé 150, Dipsy. Je me suis économisé 50 balles, t'imagines? Et tout ça parce qu'il y a eu un écran, il y a un écran LCD dessus, du coup, je voulais. Je suis un pigeon. Je suis un pigeon, vous pouvez le dire. Je sais, je suis un pigeon. c'est quoi, les compteurs bleus? Du coup, le compteur ici, c'est le chronomètre pour compter une heure. Je veux voir combien de kills je suis capable de faire en une heure. Roucoule, oui, exact. Et le compteur complètement à gauche, c'est le nombre de tués que j'ai fait jusqu'à maintenant, le nombre de meurtres. Du coup, on est à 3 kills pour 13 minutes, ça va. Là, on a les chargements, ça va être long, mais on voit. On va voir combien je suis capable de tuer de personnes en une heure. Peps, Toxic Tueur, comment ça, Toxic Tueur? J'ai pas du tout, what the fuck, Matt. J'ai pas fait de tunnel, j'ai pas fait de camping, quel autre truc qu'on a pas le droit de faire? J'ai pas fait le truc là où est-ce qu'on tape une personne, on le laisse par terre et on va tuer une autre personne, j'ai pas fait ça. Non, ça va, je suis pas un tueur toxique, Matt. Je crois pas l'être. Alerte au pigeon. Non mais les gars... j'ai pris ma souris c'est normal que j'ai payé cher parce que j'en voulais une qui soit très grosse, tu vois j'ai des mains très petites, du coup il me faut une souris très grosse. La logique elle est disparue mec. Non mais je veux, j'aime les grosses souris. Non mais pour vrai j'aime les grosses souris parce que j'aime que quand ma, comment je pourrais dire, attends je vous montre vite fait, quand j'ai ma main dessus, j'aime pas que ici ça soit appuyé sur le tapis. J'aime que toute ma main soit sur la souris et du coup ça me permet de pas avoir mal si je suis longtemps sur la souris. Parce qu'avant je faisais beaucoup de montage et être longtemps sur la souris ça faisait très mal au poignet, ça faisait mal ici, je sais pas comment on dit. Mais du coup ça, j'aimais beaucoup cette souris à cause de ça. Si je me rappelle bien c'est la SteelSeries Rival 710. Et sinon, pour tout le reste, tout est cher, hein, les gars, mais c'est parce que... C'est avec les années aussi. Avec les années, je prenais des trucs qui étaient pas chers, mais avec les années, je prenais la même chose, mais en plus cher. Il aime tâter de la souris dégueulasse. Mes écouteurs. Mes écouteurs, les gars, c'est 300 balles. C'est 300 balles de headset, mais parce que... Mec, c'est le confort ultime. Il n'existe aucun headset sur la planète aussi confortable que ce truc. Et surtout, je peux entendre le chat vocal en jeu, je peux entendre le chat du jeu, et en plus, je peux me connecter en Bluetooth en même temps et avoir une musique de mon téléphone dans mes oreilles. Du coup, j'ai trois canaux audio en même temps. Genre, c'est un truc de ouf, je trouve. J'ai une étrange envie de quitter ce stream. Pourquoi, Matt? Pourquoi donc? C'est quand tu vas faire du surf. Après, quand on va faire une heure de tueur, après, si tu veux, on peut partir en survivant et tu viens avec moi, Matt. Il aime tâter de la souris, les gars. mon casque a coûté seulement 20 balles, mec. Ouais, non, mais ça doit pas être très confortable, déjà. J'ai une tête très ronde, très grosse. J'ai une grosse tête, les gars. En vrai, j'ai une grosse tête.
Du coup, j'aime que ça soit confortable. J'aime pas que ça appuie sur mes oreilles et que ça me donne trop chaud aussi. J'aime pas beaucoup. Il y a plusieurs facteurs qui font que... Non, mais ça... Les gars, ce modèle, il est juste exceptionnel, ce modèle. Impossible de faire mieux que SteelSeries au niveau confort, hein, les gars. Impossible de... Je vous mets au défi, les gars, vraiment, de faire plus confortable que SteelSeries. Non, mais toi, j'arrive. Ça va être mon quatrième meurtre. Ça va être mon quatrième kill, les gars. Il y a peut-être ses potes qui sont par ici. Ah non, même pas. Ah oui. Ah oui. Parce que je l'avais pas vu. C'était beau, ça. C'était beau. Ben vas-y. Mets des palettes par terre. Il n'y a pas de souci. Vas-y, continue. Reste derrière la palette. Vas-y. Non, ok. La prochaine. Les gars, je vais l'avoir. Ah, mais mec, il est trop bien. Mon casque, je peux le mettre des heures. Et un son de ouf. Ah non, mais t'inquiète, ça pour le son, il n'y a pas de souci avec mon casque. Ah, et surtout, non, c'est vrai que la première fois que je l'ai acheté, en fait, les casques SteelSeries, c'était même pas à cause du confort, parce qu'au début, bah, je savais pas que c'était aussi confortable, mais la première fois que j'ai eu un SteelSeries, je l'ai acheté parce que j'ai, vous voyez, j'ai regardé tout plein de vidéos, des reviews sur les casques et tout, et j'ai appris que les micros des casques de SteelSeries, c'est ceux qui ont le meilleur micro logiciel d'anti-bruit sur le marché. Du coup, c'était souvent utilisé, tu vois, les gens, ils utilisent souvent dans des événements, des lands et tout, parce que ça vient couper énormément de son derrière. Et moi, bah là, mes enfants commencent à vieillir, tu vois, mais mes enfants, ils étaient plus jeunes, il y a encore quelques mois. Ils criaient, ils jouaient derrière, et je voulais pas que, bah, du coup, que les personnes avec qui je joue entendent mes enfants crier au meurtre derrière, tu vois. Du coup, c'était pour ça que je l'avais acheté à la base. Mon choix s'était porté pour cette série pour ça, mais en vrai, il y a tellement d'autres choses qui font que c'est le meilleur casque du monde. Vraiment. Ah, désolé, mais tu es un peu morte. Ok, non, elle est pas morte en vrai, elle est pas morte, mais quand même, je l'ai blessée. J'ai vu une autre personne proche du générateur ici, il me semble. Je crois. Peut-être que ça correspond plus à toi qu'à d'autres. Non, mais clairement. Si, tu vois, Matt, il y a un truc que je peux... Ben, je dirais pas jusqu'à dire que c'est un défaut, mais plutôt une caractéristique, Matt, des SteelSeries. C'est le fait qu'on coupe les bruits ambiants. Parce que, de base, les SteelSeries viennent avec des manchons pour les oreilles, là, les petits trucs. Vous voyez, là, genre de mousse autour des oreilles. Ça vient une en tissu genre en je sais plus comment ça s'appelle, mais du coup c'est un tissu qui laisse qui respire beaucoup. Du coup c'est pour ça, moi je voulais pas avoir chaud non plus. Du coup c'est un tissu qui respire beaucoup, ça donne pas chaud ou presque pas. Du coup c'est cool, mais d'un autre côté ça veut dire que ça coupe très peu de son ambiant pour moi, pour la personne qui écoute dans le headset. Moi personnellement, encore une fois, c'est ce que je voulais, puisque bah, du coup si mes enfants ont besoin de moi ou quoi que ce soit, je veux pouvoir quand même qu'ils puissent dire « Hey papa, ta. » Du coup, je peux au minimum les entendre et être comme « Ah, quoi? Qu'est-ce qui se passe, quoi? » Mais évidemment que il y a deux solutions. Soit tu prends pas SteelSeries et tu vas prendre plutôt Sony, parce que c'est eux qui sont les meilleurs pour le anti-bruit ambiant. Sinon, bah oui, évidemment, il y a les genres de manchons qui sont possibles de changer pour SteelSeries pour mettre du cuir. Du simili-cuir et que ça bouge vraiment que ça fasse de l'anti-bruit comme les Sony, c'est possible aussi. Mais bon, moi, pour moi, c'est pas utile, toi. C'est le grand. Je trouve que c'est la grande caractéristique des SteelSeries qui peut faire que ça peut sembler être un défaut pour certains, même si au final, c'est plus un choix, quoi. C'est plus un truc qui est différent des autres. Non, il y a personne ici. Ok. Ah merde, ils sont où les gars? Ah, l'écran maintenant c'est que du. Attends. Il y a quelqu'un là, mec. Regarde, il me regarde. Allô? Coucou? Allô?
Ben oui, y a pas de souci. Non, mais attendez, elle a un chapeau, du coup je vais la frapper. Ben oui, c'est obligé. Mais c'est obligé que je la tape. ce que j'ai dit, achète un pack de filtres anti-pop parce qu'il y avait certains bruits qui cassaient les oreilles, genre les souffles. Quand je ris et quand je respire un peu trop fort. Ah ouais, non, ça pour ça, il y a zéro sur. T'imagines, des psys? Ça, sur le micro de Tube Series, il y a zéro ça. Zéro ça, le genre de. Ben, le filtre pop. Et pourtant, il n'y a même pas de filtre pop sur le micro. Physiquement, il n'y a pas de filtre pop. Mais parce que je crois, encore une fois, qu'ils ont une amélioration logicielle pour venir réduire les pops dans le micro. Parce qu'en vrai, Steel Series, les gars, ça fait, je crois que ça fait un moment qu'ils sont sur le marché. Et ils ont, vraiment, au niveau logiciel, ils sont putainement bien avancés, en vrai. Je crois qu'avoir un micro Steel Series sur, je sais pas moi, une caméra, ça serait mais un putain de luxe. J'en rêverais. J'en rêverais vraiment, leur micro est vraiment fou. Hein. C'est un truc de fou. Et ce qui est vraiment cool, moi j'ai la version à 300 balles. Ok, c'est très cher et tout. Mais si tu vas, ils ont leur headset le moins cher. C'est la version, je crois que c'est la version à 70 balles, un truc comme ça. Et là, je parle canadien. Pour vous, ça doit être 50 euros, un truc comme ça. Mais à ce prix, bah, t'as quasiment le même micro en fait. Je crois même que c'est le même micro, parce qu'au final, c'est plus la facture du casque, la qualité du plastique et tout qui va changer plutôt que le masque en tant que tel. Et la qualité aussi de l'audio, parce que bien évidemment, moi j'ai du 7.1, j'ai du Surround 7.1, mais bon, les autres casques moins chers, ils ont pas Surround 7.1. Merde. Ok, j'arrive. Je me suis perdu ou... Je les vois plus, fais chier. Les gars, ils m'ont battu, je les vois plus. Ah, ok. Non, ils sont là. Coucou toi. Mais pourquoi? Elle t'est pas déjà blessée? Ah, moi, ils vont mettre quand? Il est très bien, il est mieux que mon ancien sur pied. Attends, je suis en train de me faire avoir. Hein. Que j'ai payé plus cher. Ah, mais des fois, il y a des micros qui sont pas chers et qui sont très très bons. Hein. J'avais acheté pour Genovix, en fait, pour Noël, je crois. Mais c'est moi, on avait acheté ça pour lui. C'était un micro Neewer. Je sais pas s'il y en a ici qui ont déjà utilisé les micros Neewer. C'est pas un headset. C'est vraiment un micro comme j'utilise pour le stream. Il était 50 balles, mais... non, même pas, les gars. Pour vous, en euros, ça doit être 30 balles. 30 balles, il y avait un brin de micro, le micro, et le micro, sincèrement, waouh, qualité très très bonne pour le prix. Bien évidemment, c'est pas la même chose que ce que j'ai, mais quand même, pour le prix, c'était une qualité de fou. Mais attends, mais elle a vraiment réussi à partir, mais what the fuck? Ah! Non! Arrête de la soigner! Oh merde. Mec, elle est sérieuse, hein? Vas-y, palette. Non, mais il y avait une palette, s'il te plaît. Fais un effort. Ça va, je l'ai. Je crois que elle, ça fait deux fois, non? Ou ça fait une fois que je l'accroche? Là, je suis encore à 3 kills depuis tout à l'heure. Ça fait 25 minutes déjà, mais non. Et je suis censé pouvoir faire plus de kills que ça, what the fuck. Oh. Elle doit pas être très contente, elle. Voilà, on va la mettre en bas, parce que je crois qu'on est juste à côté de mon sous-sol. Exact. Exactement, les gars. Ok. Mais elle est pas morte. Elle est pas morte, elle est juste un peu dans la merde, les gars. Je crois. Elle est morte ou pas? Le jeu va me le dire. Le jeu va me le dire si elle est morte.
Ah ouais, nice! Quatrième kill! Nice, nice, nice! Ok, ici y'a personne. Ici un générateur, y'a personne. Je l'ai même déjà brisé celui-là. Ok, mais il leur reste qu'un générateur, what the fuck? Non, 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 vous allez pas les réparer, les gars. C'est mort. Ok, elle est là-bas. Tu me l'avais conseillé, mais au final, je suis resté sur mon casque. Attends. J'ai juste besoin de mieux paramétrer OBS, mettre le filtre anti-pop dessus. Ouais, non, mais clairement. Les filtres, il y a des filtres OBS, vraiment, ils sont rendus très, très bien. Ils sont très forts, autant pour la caméra que pour le son. C'est trop bien. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais pourquoi elle reste là? Mais ça me va très bien. Si tu voulais qu'on se fasse un petit délire dans le coin, ça va, ça me va. Mais quand même, t'es morte maintenant. Bah morte, elle est kebabifiée, quoi. J'ai envie de dire 30 euros, c'est 30 euros, je peux avoir autre chose, genre de la bouffe. De la bouffe? Je déteste dépenser pour de la bouffe, les gars. Pourtant, je le fais tout le temps. Mais vraiment, ça me fait chier. J'aime mieux dépenser pour, je sais pas. Qu'est-ce qui est le mieux? En vrai, dites-moi, vous de votre côté, les gars, quand vous avez de l'argent, vous savez, vous avez, je sais pas moi, 100 balles de libre dans votre mois, je sais pas trop quoi, dans votre semaine, vous aimez mieux dépenser en nourriture ou en quelque chose, une activité ou un objet que vous voulez acheter? Quel est votre genre? Oh merde! Ah ok, c'est ça! Elle est restée là, mais what the fuck? Je pensais que c'était quelqu'un d'autre! Ça me tue. Moi aussi, t'as vu les prix maintenant, c'est horrible. Les prix de la bouffe, mais oui, totalement. C'est n'importe quoi. Hein. Ouais, elle est morte? Ah, ok, non, elle est pas morte. J'avais pas vu quelqu'un moi par ici, non? Ouais, il y a quelqu'un là-bas. On va y aller, on va y aller. Je les ai vus, les gars, je les ai vus. Je l'ai tellement bien eu, pauvre elle. Tout a augmenté de toute façon, ouais, clairement. C'est vrai que tout a augmenté, les gars. Ça, c'est totalement vrai. Ok, je vais aller vers la porte, je crois qu'ils sont en train de l'ouvrir. Non, mais clairement. C'est à coup sûr qu'ils sont en train de l'ouvrir, les gars. Ah non, même pas, what the fuck. Ah merde, ils sont de l'autre côté, c'est sûr. Deuxième meurtre. Ok, mais on est rendu au cinquième. Cinquième, 29 minutes. C'est pas beaucoup. Non, ils ont réussi, ils ont réussi, ils ont réussi. Il m'énerve. Il reste une personne. Elle est où? Avec un peu de chance, je l'intercepte, mais je sais pas du tout elle est où. Non, elle est partie. Et c'est barré, c'est pas grave, c'est pas grave. On va devoir vendre un organe pour s'en sortir, c'est n'importe quoi, mais totalement, totalement. Mais bon, ça c'est ça, comme on dit, c'est ça, exact. Tout augmente, c'est comme ça, c'est l'inflation. C'est normal, même si les salaires n'augmentent pas suffisamment aussi. Les gars, j'ai plus de boisson énergisante, on va avoir un problème. On va devoir... Abattez 15 survivants. Ok, on fait ça, on fait ça. Ok, let's go. On se met prêt, il faut se dépêcher pour faire la prochaine partie. Là, pour le moment, on a fait deux parties, ça fait déjà 30 minutes. Est-ce qu'on a vraiment le temps de faire que 4 parties en une heure? Ou c'est mes parties qui ont pas été vite? Je sais pas. Matt, toi, si tu fais le défi de ton côté, tu veux pas essayer de faire le défi? Tu prends une heure et tu me dis combien de kills est-ce que t'es capable de faire, Matt. Tu veux pas essayer? Oh mon dieu. Moi je vais prendre une petite pastille pour la gorge, ça va sûrement m'aider. Oh. Ok.
Du coup, on espère que ça se passe bien. Et demain, vous avez vu qui est-ce que je contrôle? Vous avez vu qui est sur ma casquette? Est-ce que vous l'avez vu? Parce que je sais pas si on le voit bien, en fait. Peut-être qu'on voit pas assez bien. De toute façon, même si tu gueules dans la rue, ils s'en foutent royalement. Ils te regardent tout con en mode « m'en fous ». Avec un petit sourire. Mais non, mais ça, c'est normal. Allez, c'est parti. Oh merde! Mais non, ok, je tourne le carrousel, les gars. Je tourne le carrousel. Oh merde, putain, je suis con. Après cette partie, je tourne le carrousel. Ok, j'ai oublié, étoile. Ça te va? Ça te va si j'ai oublié? Oui, je sais que ça te dérange pas, hein. Ça te dérange pas du tout, je le sais. Le respect, ça fait longtemps qu'ils l'ont digéré. Mais le respect, ouais. Tout dépend. Tout dépend. Je crois que chaque personne a sa version de respect aussi. Hey, Dipsy, j'ai même pas vu, mais c'est vrai, même ton badge, il a déjà évolué. T'as participé à 5, ou plutôt t'étais là, lorsque 5 boss ont été tués, Dipsy. C'est stylé. Je trouve ça cool de voir cette information. J'ai hâte qu'on en soit à des personnes qui auront, je sais pas moi, 34 boss qu'ils ont aidé à tuer et tout, genre. Merci les lurks, évidemment. J'ai hâte de voir des badges de tueurs de boss qui vont changer de couleur quand même. Très hâte, très hâte. Vous savez pas à quel point j'ai hâte. C'est pas tout de suite. Ça va être très long. Mais c'est ça qui est cool en fait. Les badges comme ça, ils vont évoluer lentement, mais sûrement. Mais surtout, c'est quand tu vas en voir un qui va évoluer, qui va changer de couleur, ça va être, mais... giga spécial quoi, tu vas être comme ça. Je suis persuadé qu'il y a même des gens qui vont être comme, mais attends, mais what the fuck, comment tu fais pour avoir un badge aussi évolué et tout. Il y en a qui vont se demander c'est quoi ce badge. Oh merde, t'as 65k points, Dipsy. T'essaies d'avoir le VIP, c'est ça? Merde, les gars, je sais plus il est où. Ah, oh, il est là. Nice, nice, nice. Ah, bah, t'es bien avancé déjà. T'es déjà très bien avancé. Et toi. Non! Je l'ai raté! Il m'énerve de fou. Hein. Oh merde. Wouah, mais il me fait perdre tellement de temps, c'est n'importe quoi. C'est une dinguerie comment il me fait perdre du temps, les gars. C'est quoi ce labyrinthe? Depuis quand il y a un labyrinthe comme ça dans DBD? Non mais attends. Je l'ai perdu. Oh non, il est là-bas. Je parie, c'est la même de ton côté chez moi, même mieux. Je pense que ça doit être équivalent. En vrai, je pense que ça doit être équivalent, Dipsy. Parce que j'ai pas mal dépensé mes points, plusieurs fois. Du coup, je pense en vrai de vrai que ça doit être pas mal l'équivalent des points qu'on a dépensés chacun sur la chaîne de l'autre, en vrai. J'arrive. Ok, je vais réussir à le tuer, les gars, même si je lui arrive que demain, ok? C'est pas grave, il est barbu, faut que je le tue. Aucun rapport. Oh, j'ai réussi à le toucher une fois, enfin! Waouh! J'arrive... Je vais t'arracher tous les poils de ton corps. Ou plutôt les couper, j'ai quand même une main coupante, hein. Et merde. Non. Ok, non, il est là-bas. Ça sent pas bon pour moi, je suis barbu, exact. Attends,
Attends, mais what the fuck? Mais c'est un délire, il va beaucoup trop vite, c'est quoi? C'est normal qu'il va aussi vite? Les gars, c'est pas normal, on est d'accord? Il était pas prêt à ça. Il était pas prêt à ça. Il était pas du tout prêt à ça, les gars. Oh mon dieu, mais enfin! Ok, lui, je l'ai tunnel, j'avoue. Lui, je l'ai tunnel. Mais j'avais une dent contre lui, vous avez quand même vu. Il m'a ridiculisé. Je devais absolument le tuer, j'avais pas le choix. Oh mais non, vous êtes sérieux. Mais non. Arrête tes conneries. Bonjour toi! Comment vas-tu? J'arrive. T'inquiète, c'est pas fini. Ce n'est pas fini, j'arrive. Est-ce qu'elle va me faire tourner en bourrique tout autant que le barbu? Non, je crois pas, je crois qu'elle va se faire avoir ici. Ou pas. Oh merde. Je crois que le détour, il était pas si gros. Bon, désolé, mais j'étais quand même un peu eu. Les gars, où sont les crochets? Attendez, mais c'est une blague? Ok, ouais, ici. Oh! Hein? Ah, mais non, mais je suis con, je l'ai même pas pris! Mais quel idiot! Je l'ai pas pris, mais non, elle est où? Oh, je l'ai perdu! Mais non! Ok, non, elle s'est barrée. Ah, ok, non, ils se sont déconnectés, il reste plus qu'une personne, mais quel imbécile! Ah, ok, non, j'avais pas capté, les gars. Il reste une seule personne. Coucou, toi, comment vas-tu? Pas très bien. Vu que tu m'as griffé le dos, connard. Attends, mais il reste une seule personne, je sais pas, elle est où? Ah ouais, merde! Ça me fait perdre tellement de temps dans mon défi. Ah non, elle bouge pas. Merde. Ah, ok, non, ça va, elle bouge. Je se laisse tuer. Est-ce qu'on va au moins gagner un meurtre pour cette partie quand même, pour nous dédommager? D'une partie à la con comme ça, genre. Non, mais clairement. What the fuck, les gars, c'est une partie de merde. C'est un kill gratuit, mais quand même une partie qui nous a coûté très cher malgré tout. En temps, je veux dire. En temps, c'est une partie qui nous a coûté cher. Hein. Ah oui, non, bah parce que... Un kill en 10 minutes, pas ouf. Un kill en 10 minutes, pas ouf, les gars. Ok, un kill de plus. Mais 10 minutes qui se sont comptabilisées, ça fait mal. Ok, on y retourne, on fait Y, on continue, on poursuit. Faut avoir le maximum de temps possible pour pouvoir faire le maximum de kills possible. Je suis à 40 minutes déjà, c'est un délire. Ça va beaucoup trop vite. Et je vais tourner le carrousel en même temps. Vas-y, on tourne le carrousel, on va voir sur quoi on tombe. Ah merde, putain! Les gars, il fallait vraiment pas que ça tombe sur ça. Je suis dans la merde. Je sais, c'est tombé sur acidulé. Ok, j'ai compris. Non, mais le truc, t'as pas compris, étoile. Je pense que je vais le sentir très fort parce que j'avais une pastille pour la gorge. Tu vois les pastilles miel et citron, mais qui sont très très forts dans la bouche. Mais du coup, le acidulé, je pense que je vais le sentir encore plus à cause de cette pastille. Du coup, je suis dans la merde. Ok, je le prends et j'espère ne pas mourir. Alors, à tout de suite. Oh. Ah, ce que j'ai dit là.
Je confirme, je le sens encore plus acidulé. Et il y a mon fils qui me regarde, il se tape une barre, les gars. Oh merde. Oh. Oh, je vais m'étouffer à cause du bonbon. Ah, ça va, il commence à être sucré. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Waouh. Ouh, j'ai chaud. Ouais, ça m'a donné chaud. Ça m'a donné chaud, carrément. Ah oui. Ok, il nous reste 18 minutes pour faire un maximum de kills. Ok, où sont les méchants, les gars? Moi, je dois aller... fracasser quelques crânes, découper quelques bits et faire quelques scalps. Alors là-bas, ça va, on y va. Coucou toi. Tu m'avais pas vu, ben moi je t'ai vu. Mais c'est quoi ce skill gratuit? Ok, ça me va. Ça me va, pour moi c'est cadeau, j'aime bien. C'est cadeau, c'est un crochet pour moi gratuit. Ça me va très très bien. Oh merde. Elle s'est décrochée elle-même? Mais non. Elle s'est vraiment décrochée elle-même? Mais quoi? Elle a trop de chance. Ok, mais elle, je la tue direct, les gars. Elle se laisse complètement tuer, genre. C'est bien, mais en même temps, c'est pas cool. Ça force un peu mon défi. Oui, oui, t'as bien entendu, Dipsy, t'inquiète, t'as bien entendu. Oh, je t'ai vu. Hein? Ah, mais j'ai vu quelqu'un, non? Ou pas. Je me trompe peut-être, j'ai rien dit. Ah, ok, c'est là-bas. C'est là-bas, les gars, j'ai vu. Ok, on a fait un kill ici. On est à 6. 7 kills. 7 kills, les gars. C'est cool. On est d'accord, les gars. J'ai bien compté, hein. J'arrive. Ah non! Mais non, la palette! Elle était trop. Non. Ouais, mais attends, c'est une dinguerie, comment je suis nul. C'est lundi en même temps, c'est lundi, les gars. Pardonnez-moi, c'est lundi. Ok, j'arrive, toi. J'arrive, t'inquiète. Je suis derrière toi, je suis prêt à toucher ton huc au bon moment. Juste comme ça. Le toucher rectal a marché. Ok, ça va. Maintenant, on part vers un crochet. Lequel? Il y en a un ici. Ok, cool. Je sais qu'elle, je ne la tue pas. C'est la première fois que je l'accroche. Ok, un autre. Non, il n'y a personne là-bas. Il n'y a personne ici non plus. Mais what the fuck, ils sont où? Coucou Orluna, comment ça va? Le toucher rétal. Exactement. Tu m'as tué, Orluna. Comment s'est passé ton week-end, Orluna? Je vais très bien. Encore le rhume, comme d'hab. De toute façon, on a l'habitude maintenant, hein, je crois, les gars. Je crois sincèrement que le rhume va devenir naturel pour nous ici. C'est normal, je suis toujours enrhumé l'hiver, mais genre toujours.
C'est une dinguerie. C'est n'importe quoi. Comment je suis toujours enrhumé. Je suis plus souvent enrhumé que pas enrhumé. Ce qui est assez dommage, mais par chance, je suis pas du genre à pas stream même si je suis enrhumé. Alors, c'est pas grave. Elle est où? Oh merde. Ah bah non. Désolé, mais c'est raté. Oh mais non, mais elle s'est mise devant moi. Le haricot magique. Ah mais non, c'est déco, t'es sérieux? Et c'est vraiment déco encore une fois. Merde! Non, ça va, j'ai un haricot magique là dans la bouche. C'est un acidulé, du coup c'est intense. Coucou. Oh. Ok, il reste deux personnes les gars. Il reste deux personnes, ils ont deux générateurs à faire. Alors en vrai de vrai, si je... Si je vais bien zoner mes générateurs, normalement je devrais gagner. Mais attends, il est où? Il y avait quelqu'un? Oui, ok, elle est là. Elle est là les gars, elle est là. Je vais la faire devenir dingue. Je vais l'avoir les gars, je vais l'avoir. Ah, coucou. Oh merde. Je travaille sur des vidéos short, mais c'est super complexe. Ah, c'est hyper complexe à changer le format de la vidéo, ça me saoule. Non. Dipsy, j'ai un truc pour toi encore une fois, comme d'habitude, j'ai une bonne astuce pour toi. Les gars, je me suis planté. Je sais pas pourquoi je suis rentré à l'intérieur, je suis imbécile. Dès que je termine la partie, je t'envoie un petit lien que tu vas beaucoup aimer, Dipsy. C'est un lien qui est exprès pour changer le format de la vidéo en mode portrait, en fait. Genre en mode TikTok, tu vois. Tu vois, genre, et c'est pareil comme pour les shorts, il me semble, Dipsy. Du coup, je te montre ça juste après, je t'envoie le lien et tu vas sûrement kiffer. C'est quoi ces jouissements-là? Ce n'est pas des jouissements, c'est moi qui est en train de mourir, mec. Non, mais je pensais que j'allais l'avoir, mais je suis con, je l'ai laissé partir. Vraiment, c'est complètement ma faute, hein. Je l'avais. Je l'avais dans mes mains, je l'avais sur mon corps, je l'avais sur moi. C'était si bon. De quoi est-ce que je parle? Non, mais bien évidemment, je parle de... Mon dieu, je me suis retourné, j'ai vu service, j'étais comme, tu parles de service? Non, pas service. Je parle pas de service, mais je parle de... Bah, de la mort. De la survivante. Après, mais il y a plus personne ici, les gars. Ah, quoique, elle est peut-être en haut. Non, même pas. Même pas. Ça peut sauver la vie, ce serait un immense plaisir. Oui, t'inquiète. Dès que je termine la partie, je t'envoie ça. Je sais pas si ça va bien marcher. J'en ai deux même. Je vais t'envoyer les deux sites. En tout cas, je crois que j'ai les deux sites. Mais je t'envoie ça juste après. Ok, y a personne ici. Oh mon dieu, je vais rater. Non, tu vas pas rater. Ah, y a personne. Ok. Merde, mais attends, mais ils sont où? C'est pas normal, je les vois pas du tout. Ah, quoi? Bonjour, toi. Mais comment vas-tu? C'est pas toi que j'ai niqué tout à l'heure et que... Ok, elle s'est vengée, ça va.
Elle avait le droit. Elle avait le droit. Elle avait besoin de sa vengeance. Mais maintenant que sa vengeance, elle est faite, je vais la dégommer, les gars. Elle n'est pas prête du tout à ce qui va y arriver. On est d'accord que c'est la même, non? Oh, ça c'était trop drôle, les gars. Ça c'était trop drôle. Elle avait pas prévu ça et moi non plus. C'était trop drôle. En fait, c'est un truc que j'aimerais à la fois mettre sur YouTube et TikTok pour, pour le premier. C'est un test. Si je vois que ça va être cool, je vais en faire d'autres. Ok, ouais, je vois. Ah, oui, oui. Alors là, oui, tu vas voir, tu vas kiffer. Tu vas kiffer le site que je vais t'envoyer, Dipsy. En plus, tout dépendant si c'est directement à partir de clip Twitch, tu peux carrément... ah merde. Non, c'est un message, hein. Tu peux carrément aller récupérer directement tes clips Twitch sur la plateforme, genre, c'est trop bien. Ok, c'est pas ici. Ok, on va aller de l'autre côté. Peut-être que la survivante va aller de l'autre côté, malgré le fait... Ah, bah non. Mais c'est que t'es dans la merde. Ah non, elle se laisse tuer. Ok. Et ça nous fait un deuxième kill, les gars. Ça nous fait un deuxième kill. Ok, on est à 8 kills, on a 8 kills, il nous reste encore 5 minutes, alors on va essayer de démarrer la partie le plus vite possible. Et en même temps, je t'envoie ça à Dipsy. Du coup, il y en a un qui s'appelle... ça, c'en est un. Ok, j'en ai deux. Ouais, c'est ça, j'en ai deux. Ok, je me mets prêt déjà. Du coup, Discord. Dipsy, j'ai celui-là, que c'est celui que j'utilise maintenant. Avant, j'utilisais... Le site s'appelle Join Combo, et avant j'utilisais CrossClip, qui est bien aussi, mais en vrai de vrai, ouais, je trouve que le Join Combo il est mieux. Mais à toi de voir lequel que tu préfères. Mais les deux fonctionnent très bien, Dipsy, en vrai. Si tu veux tout savoir, c'est du Pokémon Go, mais mieux fait que mon contenu d'avant. Ok, 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 je vois. Non, mais en plus, Pokémon Go c'est cool de voir en... Attendez, mais les gars... Oh non! Mais attendez, je viens de voir, les gars, j'ai cassé mon mute. Je reviens, je vais aller chercher Pepsounette. J'ai complètement oublié. Oh merde, j'ai totalement zappé le mute. Tu m'as totalement eu étoile et grâce à Dipsy. Je vais chercher Pepsounette, je reviens. Les gars, on va la gonfler. Ah. On va la gonfler parce que il y a plus. Il y a plus d'air dedans. Oui, j'étais en mute Dipsy et j'avais pas vu. Bon. Il y a plus d'air parce que je vous l'ai dit, il y a un trou et ça commence à avoir de la difficulté à rester gonflé. Ok. Ok, 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 ok. C'est parti. Première fois que je gonfle Pepsounette en stream, vous avez vu? Ah oui, non, mais j'ai vu le mute. J'ai complètement zappé. Au début, j'avais compris. Et après, je me suis retourné vers le PC pour t'envoyer les liens et j'ai commencé à parler. J'ai complètement oublié que j'étais encore en mute, Dipsy. Bah, c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Ok, ça veut dire que d'ici la fin du défi, je suis encore... je vais être avec Pepsounette. Ok.
J'ai 3 minutes pour tuer des gens. Je crois que ça va pas le faire, les gars. Je crois que je vais terminer à 8 kills. J'irai pas plus loin, je pense. Hein. Pepsounette est malade. Elle va bientôt s'envoler au paradis des perruques. Exactement. Oh là là, jolie perruque. T'as vu, Urluna? Je suis en vrai de vrai, je suis une belle Pepsounette, non? Tu peux même, tu sais qu'il y a même l'émoticône. Mais non, j'ai rien dit. Je pensais que t'étais abonné. Parce qu'il y a l'émoticône pour les abonnés. Et c'est, du coup, c'est ma tête. C'est Pepsounette, quoi. Oh mon dieu, dinguerie, dinguerie. Et sinon, Fox, tu es en camion là aujourd'hui? T'as repris la route ou pas? Ou pas encore? Ah, mais non! Tu es dans la semaine de relâche en fait, Fox, je suis con. T'es en vacances là, non? Non, semaine de vacances, ouais. Ok, nice, 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 nice. Et t'as prévu des trucs pour la semaine de relâche ou pas encore, Fox? Parce que peut-être qu'on peut se prévoir un truc, on verra encore là, mais je peux pas te dire quel jour, etc. ou quoi, mais on peut peut-être prévoir un truc. Crossclip, je l'utilise pour mes clips Twitch, je connais. Ok, ben c'est un peu la même chose, Dipsy. L'autre truc, c'est un peu la même chose, un peu mieux, je trouve. Mais le camion est encore brisé. Oh putain, what the fuck, le camion est encore brisé, ils ont pas encore réparé ni rien. On peut faire un truc, je suis seul pour la semaine. Bah la semaine c'est compliqué parce que bon la semaine je suis en stream à tous les jours. Du coup ouais, ça vaut pas trop le coup pour toi de venir jusqu'ici ou ouais non, à toi de venir jusqu'ici et après bon, à toi de voir là, mais bon, t'as compris, t'as capté ce que je veux dire. Parce que t'es quand même très loin. Mais ouais non mais clairement, bah je sais pas, je t'appellerai, on se textera, on s'écrira et on verra si on a une possibilité. Faire un truc. Oh, oh, oh. J'ai croisé un lapin, les gars. Attends, mais c'est quoi son skin? Il y avait les oreilles qui... Il y a la lumière dans ses oreilles, genre, c'est trop cool. Elle a un headset RGB, les gars. Une autre pièce est brisée. Le EGR Holy Scoot... What the fuck, c'est quoi, ça? Oh, merde. Oh, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je suis parti. Il y avait pas de crochet. Oh, oh. Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh. C'est bon, j'ai réussi. Il coule l'huile, ça fait chier une pièce d'au moins 2000. Quoi? Ok, mais ça fait très mécano. Tu viens pour un problème et t'en montres 10 là. J'espère qu'ils vont pas te mettre en banqueroute, what the fuck. Quand même, un problème après l'autre, c'est chiant. Un truc pour refroidir l'huile. Ah oui, ok, ouais, je vois. En parlant de trucs pour refroidir des trucs, Fox. Moi, je suis en train de me dire que j'aimerais bien avoir un truc pour refroidir mon PC, tu vois, un water cooling. Mais je sais pas si c'est utilisable sur mon PC, je sais pas du tout comment ça marche. Je trouverais ça trop cool en vrai, je trouverais ça beaucoup trop stylé. J'aime énormément le kill que je viens de faire. C'était très drôle. Toujours aussi satisfaisant de faire tomber des fausses palettes. À 10 heures de travail, pour ça environ 10 heures de travail. Et j'imagine qu'ils vont pas faire ça en une journée, Fox. Ils vont faire ça en 3 ou 4 jours, ils vont rallonger le truc. Genre. Connaissant le délire, là. Ok, ils vont aller de l'autre côté, ils vont aller de l'autre côté. Je vais les intercepter, les gars, je vais les intercepter, ils vont voir. Ils sont pas là? Ils sont où? Merde! Mec, tu m'as sauvé la vie, ça fonctionne. Ah merde, les gars, j'ai perdu mon défi. Bah, j'ai pas perdu, mais il est fini. Le défi, il est terminé, j'ai eu 8 kills. Aujourd'hui, j'ai fait 8 kills. Du coup... Dans ma première heure de jeu, et je crois qu'on va faire ça à chaque fois, à chaque stream. La première heure, on va faire le fameux défi du coup du 1 heure combien de kills. Et je vais laisser le compteur là à gauche. Comme ça, si jamais il y a des personnes qui me demandent pourquoi il y a un 8, pourquoi il y a un chiffre en bas à gauche. Je vais pouvoir dire à chaque début de stream, du coup, je fais ce défi. Et mon objectif, c'est de battre mon record au final. Alors, mon record.
pour cette fois. Jusqu'à maintenant, c'est 8. La prochaine fois, je dois faire plus, les gars. Ça prend un bloc CPU, un radiateur Corsair. Ou un kit... Ah, c'est ça, c'est Corsair que je voulais dire tout à l'heure. Je parlais de quoi tout à l'heure, le Corsair? Je pense que je parlais des casques. C'est eux qui font les moins chers et qui sont quand même très très bons, genre, leurs casques Corsair. Oh merde, je pense qu'elle était là. Un bon socket et combien de fans que tu veux? Play assez simple, c'est, ça prend juste le bon socket. Et combien de fans que tu veux? Ah, ok, ouais, je vois. Il va falloir que je regarde, du coup, Fox. Parce que moi, tu sais, j'ai un très bon PC. J'ai un putain de bon PC, mais est-ce que ça a les bonnes sockets et tout pour les water cooling? Je sais pas du tout. Peut-être qu'il est pas adapté à ça non plus. Je sais pas du tout comment ça marche, encore une fois. Quoi? Mais il va trop vite, lui! What the fuck? Eh ben non, c'est raté. C'est raté, mais j'arrive. T'inquiète. Le survivant va se faire niquer, les gars. Punaise, d'après... depuis presque une heure, j'essaie de chasser le shiny compagnol. Mais je l'ai toujours pas eu. Oh, je l'ai eu quand même. je l'ai toujours pas eu pendant mon apparition massive. Ah, merde. Ah, mais du coup, tu restartes à chaque fois, Jojo, c'est ça? Attends, mais qu'est-ce que je fais? Le crochet, il est juste là? Je suis complètement fou, moi. Remap! Qu'est-ce qui se passe? Bah, du coup, le 1h vient de se terminer. J'ai fait 8 kills en 1h. Malheureusement, c'est que 8 kills. J'aurais aimé faire plus. Mais la vraie question, est-ce que tu veux refroidir ton CPU avec l'eau? Pourquoi pas? Pourquoi pas, Fox? Si ça existe, c'est que c'est bon, non? Non. Si ça existe, c'est que c'est bon. La logique, elle est mauvaise, en fait. Mais... est-ce que... bah non, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui le font, tu vois. Hein? C'est pas n'importe quoi. C'est pas un truc qui est nul ou quoi que ce soit. Attendez, mais je vais de faire quoi, là? Mais quoi? Ma carte graphique. Ah, ma carte graphique. Bah oui, pourquoi pas, Fox. Ouais, je voudrais tout refroidir à l'eau. Soit ça, ou... bah, je crois que c'est ce qui... Bah, est-ce que c'est ce qui prend le moins de... non, pas d'argent, pardonne-moi. Est-ce que c'est ce qui prend le moins de d'énergie? Parce que c'est ça, en fait, ma question. Parce que mon objectif, ça serait... je serais porté à aller chercher un water cooling pour, du coup, c'est ça, avec de l'eau. Parce que je me dis que ça serait sûrement moins énergivore que des fans. Mais est-ce que je me trompe, les gars? C'est peut-être totalement le contraire aussi. C'est possible. Comme je vous le dis, je sais pas du tout comment ça marche, alors c'est une question que je me pose. What the fuck, y avait pas d'échange ici? Y'a personne sous le générateur là-bas. Évidemment, ils l'ont déjà décroché. Ah, j'ai fait une nouvelle, je fais l'apparition. Ah, 20 fois, je le remets, je suis toujours pas tombé. Je mets KO et je redémarre le jeu. Ok, ouais, je vois. Cheater, quoi. Tu cheats, quoi. Normal. Non, pas du tout. J'ai terminé Pepsounette, les gars. Ouf. Oh là là, j'avais chaud. N'importe quoi. Matt, après, est-ce que tu veux qu'on parte en survivant? On peut partir en survivant, si tu veux. On va aller se fight contre des méchants. Attendez, mais je suis vraiment atrocement nul. Il se passe quoi? J'ai l'impression d'être ailleurs. Vraiment, j'ai l'impression d'être ailleurs de fou. Oui, tu te trompes parce que t'as pas besoin... Hein? Tu te trompes pour ce que tu fais, t'as pas besoin, en vrai. Non, mais Fox, je t'explique. En fait, c'est parce que... là, j'aimerais que ça soit moins énergivore, parce que parfois, en ce moment, ce que je connecte sur mes prises USB, j'ai tellement de trucs qui sont branchés sur mes prises USB, que des fois, il y a des bugs à cause qu'il y a un manque d'alimentation. Déjà, je sais que je dois changer... j'imagine que je dois sûrement mettre un... Putain, le truc, là.
Le power supply, je dois sûrement mettre un plus gros là pour le coup. Parce que. Non, non, il fournit pas. Il fournit pas, il m'en faut un plus gros, les gars. Il m'en faut absolument un plus gros. Et ensuite, il y a un autre truc aussi. J'imagine que le water cooling, et ça, c'est encore une autre question que je me pose. Peut-être que ça fait moins de bruit. Peut-être que ça fait moins de bruit parce que des fois, vous m'aviez dit sur le stream que vous entendiez le son de mes femmes. Et j'aimerais beaucoup qu'on n'entende pas le son des femmes, en fait. Il y a une pompe. Ok, la pompe, on l'entend beaucoup ou pas? Oh, merde. What the fuck? Elle a couru si vite, elle. Non, mais t'inquiète, j'arrive. Attends, mais elle va beaucoup... What the fuck? Mais elle court pendant combien de temps? C'est quoi, ça? Vous avez vu, elle a couru pendant combien de temps? C'est une dingue. Non, 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 tu vas pas ouvrir les portes. Peut-être que oui. Mais attends, mais c'est sérieux, ça? Ah, c'était beau, ça. C'était beau. Dépend de la pompe. Ok, bah je prends une pompe qui fait pas de bruit. Si je peux, évidemment. Toi, je vais t'avoir. Toi, je vais t'avoir. Tu vas pas rester là. Non, 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 tu vas pas rester debout. Merde, elle s'est déjà fait décrocher l'autre. Il faut que j'aille les empêcher d'ouvrir. Faut que j'aille les empêcher d'ouvrir. Oh non, ils vont ouvrir, ils vont tout sortir. Ils vont tout sortir, c'est mort. C'est mort. Non, je veux pas que tu ouvres la porte. Arrête d'ouvrir la porte. Merci pour le lurk et bon appétit à toi, Dipsy. Ah merde. Et ils sont tous là en plus. Ils sont là comme des fourmis à fourmis autour de moi. N'importe quoi. Non, 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 non. T'ouvres pas la porte. Non, 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 non. Putain, non, 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 il a ouvert la porte pour vrai. Pardonnez-moi, les gars, mais j'ai pas le choix, là. J'ai pas le choix, sinon il ouvrait la porte. Ok, ça va, ça va, ça va. Il s'enfuit, il s'enfuit. Ah, ce serait bon qu'on arrive à faire de la perso. Malheureusement, pas cette personne ici. Hein. Il y a que toi et moi aujourd'hui qui jouent à DBD, je pense, Matt. Il faudrait qu'on réussisse à partager tous cette chaîne et que tout d'un coup, il y a 60 personnes. Ok? Et comme ça, avec 60 personnes, on aurait au moins 5 personnes qui veulent jouer. Oh là là, le jour où est-ce que j'ai 60 personnes sur mon stream, les gars, je vais... Ben, encore une fois, déjà, oui, bien évidemment, en tant que streamer, j'ai envie d'avoir des viewers. Mais ce qui est cool, c'est vraiment quand t'as envie de faire un truc dans le jeu et que t'as les personnes pour faire le truc dans le jeu, c'est ça qui est satisfaisant surtout. Exemple la partie perso, exemple nos événements sur Warframe, non ça c'est cool. Il y a un autre truc aussi que je voudrais faire aussi beaucoup, c'est sur Genshin Impact les gars. J'aimerais énormément qu'on se fasse, pas des concours, mais juste des séances où est-ce qu'on va visiter les Serenity Tower des autres personnes. Je trouverais ça trop cool en vrai. On n'est pas des fans, en vrai, tu vas des beaucoup plus silencieuses, ok. Non mais la pompe prend du courant aussi, beaucoup plus qu'un simple fan, ok. Mais c'est ça, mais la fan automatiquement elle fait pas mal de bruit, Fox par exemple. J'ai plus de chance qu'il y ait une pompe, j'imagine, qui fasse moins de bruit que une fan qui fait... les fans font tous du bruit en fait, Fox. C'est ça le truc. Même la mienne c'est supposément une silencieuse. Même celle de Miss, ok j'avoue celle de Miss elle est trop silencieuse, hein. C'est un délire comment elle est silencieuse. Mais c'est aussi, elle fait pas du streaming, tu vois. Dès que je pars en streaming, bah tout d'un coup, mon PC s'affole. Même pas, dès que j'ouvre un logiciel. Pourtant, t'inquiète, j'ai 36 Go de RAM, j'ai une bonne carte graphique. Désolé, j'ai une bonne carte graphique, j'ai un bon processeur. J'ai tout, je le pousse pas beaucoup mon PC. Hein. Coucou Zirta, comment vas-tu? Bienvenue à toi. Est-ce que tu es un joueur de DBD? Dis-moi. Go serve, mais totalement Matt, totalement. Tu peux même m'inviter si tu veux. Et si tu prends la grosse tête, je m'occuperai de toi. Mais la grosse tête de où? J'ai déjà une grosse tête. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est pour ça que j'ai pris Steel Series, parce que j'ai une grosse tête et du coup, c'est large. Non, non, mais bon, non. Si on parle de l'expression. Ouais, non, je sais pas. Je vois pas. En vrai. Je sais pas. En vrai, je me demande. On sait jamais. On sait jamais si on est le genre de personne qui va vraiment prendre la grosse tête. J'espère que non.
J'espère fortement que non, parce que tu vois, si moi du passé vois moi du futur et que j'ai genre full viewer et que je vois que je prends la grosse tête, ben je me dégoûterais clairement. J'espère que je suis pas comme ça. Désolé pour la toux, les gars. On peut jouer ensemble, mais totalement. On s'en va justement en survie. Alors si tu veux, on t'invite. Tu peux me donner ton pseudo et on va t'inviter. On t'invite direct. Ça coûte cher des kits water cooling. Ça coûte combien? Tu penses que c'est vraiment cher? Attends, il me reste. Non, mais attends, faut pas que je. Ah non, il faudrait qu'on arrête de parler de ça, sinon je vais mettre un autre 1000 balles dans mon PC, genre juste pour le plaisir. Non, faut pas faire ça. T'as raison, on va arrêter d'en parler, Fox. Plus tard. Ah! Mon pseudo c'est. Ok. Ok, attends, je t'invite direct. Déjà, je vais t'ajouter un ami, tiens. Du coup, Zirta, et ça fait longtemps que tu joues à DBD, Zirta? 3-3-3, et là, on va mettre le petit préfixe, ou je sais pas trop quoi, là. Il est où, le hashtag, là-dessus, sur ça? C'est pas le hashtag, c'est le truc. Ah, il est là! Merde, je l'avais pas vu. 3-E... 1F, ok. Normalement, ça te voit direct. Ouais, ça fait longtemps. Et comment je fais pour vous entendre, du coup? Du coup, tu ne pourras pas m'entendre à part sur le live, Zirta, parce que je ne vais pas en vocal pendant que je suis en stream. Malheureusement. La meilleure façon, c'est vraiment de parler à partir du stream. Je sais que pour vous, par exemple, c'est un peu compliqué puisque vous êtes obligé d'écrire. Mais dans tous les cas, de toute façon, même si tu m'écris rapidement, je suis pas quelqu'un de très réactif, en vrai de vrai. Alors au pire, on fait comme on le sent, tu vois. À force de jouer, on comprend un peu ce que l'autre veut, clairement, de toute façon. Ah, désolé. Oh, la gorge. Attendez, vous savez quoi? Je vous reviens, je fais une micro-pause de 2 minutes, histoire d'aller aux toilettes et aller me chercher du thé, les gars, ok? Laissez-moi 2 secondes, ça ne va pas être très long. Est-ce que la... Attends, non, c'est vrai, je t'ai ajouté dans ma liste d'amis, mais je t'ai pas invité encore. Je suis con. Ah, il faut que t'acceptes la demande avant. Accepte la demande et dès que je reviens, je t'invite, Zirta. Je reviens, à tout de suite.
Bon, rebonjour les gars. Pardon pour cette pause. Ouais, c'est une pause tisane de petit vieux, les gars. Oh, mais mon dieu, ça fait tellement du bien à la gorge. C'est un putain de délire. Facile, plus de 300 balles. Hein? 300 balles pour un water cooling? Non, mais ça va, ouais. C'est vrai que tu comprends pas ce que tu dois quand même mettre. Même. Ah, ok, faut quand même mettre des fans. Après, le radiateur peut refroidir le liquide. Ah, ok, d'accord. Ah, ok, d'accord. Du coup, ça va quand même faire du bruit, quoi. Ah oui, je vois, je vois. Matt, c'est censé être du love. Comment ça, du love? Comment ça, du love, les gars? Peps, sans parler des risques de fuite. Et si tu prends un kit à monter soi-même, il y a beaucoup plus d'entretien. Non, en vrai, je le ferai monter. Hein, rien à foutre. Fox, je monte plus mon PC moi-même. Hein. Je veux être sûr que tout soit parfaitement bien. Je le fais par quelqu'un. Et... rien à foutre. J'ai pas reçu, toi tu peux me montrer ton pseudo et pas ton... Oui, 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 totalement. Bah, mon pseudo... Tu vois, mon pseudo c'est en haut, c'est Peps, espace, IDcode. Et bah du coup, il y a aussi le hashtag, le truc là, c'est A553 Zirta. Du coup, tu l'as ou pas? Juste être sûr que tu es encore là et que tu vas encore nous rejoindre. Effectivement, je ne comprends pas ce que tu veux dire par kit à faire soi-même, Fox. Bah ok, non, mais de toute façon, Fox, avec ce que tu viens de me dire, tu viens de me convaincre. Ça me sert à rien d'avoir un water cooling. Hein. Je veux dire, s'il y a des fans quand même, je vais m'acheter des fans, putain, what the fuck. Je vais pas m'acheter un water cooling à 300 balles pour avoir des fans encore, genre. C'est ridicule. Je vois pas trop le délire à part le fait que c'est beau, quoi. Ah, nice, la demande d'amis, elle est là, Zirta. Cool, 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 j'ai du mal à écrire, alors, what the fuck. C'est bizarre, pourquoi ça... Ah, peut-être que j'ai oublié le R, c'est possible. C'est bon, je t'invite, Matt. Dès qu'il arrive, bah tu peux démarrer la mission. Oh, mon dieu. Est-ce que vous avez des astuces de grand-maman pour lorsque vous avez mal à la gorge et tout, les gars? Ah, merci Zirta pour le follow! Bienvenue sur le Nexus! Ça fait super plaisir, merci beaucoup. Si jamais tu te demandes, Zirta, je fais du... Bah, en fait, je suis multigaming sur la chaîne. On fait du Dead by Daylight à tous les lundis, sans exception. En fait, on commence la semaine avec des BD. Parce que quoi de mieux que commencer la semaine avec des meurtres ou des morts? Quoi de mieux, sincèrement? Après, les mardis et jeudis, je poursuis le let's play en cours. Comme en ce moment, bien évidemment, c'est Hogwarts Legacy. Ensuite, je pense fortement qu'on va aller vers Atomic Hearts, parce qu'il a l'air putainement bien. Les mercredis, à tous les mercredis, c'est du Genshin Impact. Je sais pas si t'as déjà joué à ce jeu. Et oui, j'ai vu, c'est moi qui n'étais pas prêt. Matt, désolé. Et du coup, à chaque vendredi, on joue à Warframe. Encore une fois, je ne sais pas si tu connais ce jeu, mais c'est une tuerie, c'est un gros jeu de farming, beaucoup trop bien. Sinon, ça risque de boucher, rouiller, et tu peux perdre tout refroidissement au CPU. Ah ouais, ok, ouais, je vois, Fox. Je parle d'un kit à pièces détachées, ensemble, modulaire, qui peut couler facilement, faire des algues. Ok. Le liquide doit souvent être rempli et la tubulure nettoyée. Ouais, mais en même temps, bon, il faut, ben de toute façon, dans tous les cas, Fox, que ça soit apprendre à nettoyer un water cooling ou apprendre à nettoyer des fans, en vrai, il faut l'entretenir, le PC. Hein. Quand on a un bon équipement, si t'entretiens pas, ben, ça va pas, ton équipement va pas durer aussi longtemps qu'il le devrait, clairement. T'as même pas regardé, je suis sur la récompense du dernier tome qui est sorti. Comment ça, Matt? Quel tome? Quel tome, mec? Tu parles d'ici, là? Non. Hein? Comment ça, Matt? Explique-moi. Tome actuel.
parles de ça ici, mais non. Explique-moi, Matt. What the fuck, de quoi tu parles? Faut que tu m'expliques, Matt. Et la carte graphique, à moins d'acheter une carte graphique qui accepte déjà le water cooling, tu scrapes la carte pour la modifier pour accepter un bloc de refroidissement. Ah, ok, ouais, je vois, je vois. Et pourquoi tu dis que t'es dessus, Matt? Je comprends pas. Je comprends pas ce que tu veux dire par là. Ah merde, je peux pas, je peux plus le regarder. Dommage. ouais, mais nettoyer un kit de water cooling inclut tout démonter et très risque de vider l'eau. Ouais, non, ouais. Non, 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 clairement, Fox. Non, non, mais clairement, ça, je comprends. Ça, je comprends, Fox. Non, mais clairement, ouais, c'est délicat, genre. Disons-le, c'est délicat. Clairement, vu mes facilités avec la majorité des trucs, je serais plus à l'aise de tout simplement acheter des fans. De toute façon, pour moi, au final, ça change rien. J'ai une question. Tu l'as payé cher, ton casque? Lequel? Mon casque... mon headset? En tout cas, mon headset pour le Xbox, je l'ai payé 300 balles. Mon headset pour le PC, je l'ai payé 125 balles. Un truc comme 115 balles. Mais les deux, c'est la même qualité. Les deux, c'est exactement la même qualité. C'est juste qu'il y en a un pour Xbox. Bon, il y a plusieurs connectiques Bluetooth, connexions spéciales pour le Xbox qui sont particulières. Parce que ça, ça marche pas sur Xbox, non. C'est pour ça que Corsair, avec leur kit Closed Loop, c'est beaucoup mieux. Closed Loop, c'est censé être quoi ça, Fox? bah c'est bien, Matt, j'espère que tu l'aimes donc ton casque à 40 balles. T'inquiète que c'est bon. Si le même casque que j'ai aurait été à 30 balles, je l'aurais acheté aussi, hein. C'est lui que j'aurais pris, je l'ai pas acheté parce qu'il était cher, j'ai acheté parce que c'est lui que j'avais besoin, c'est tout. Ah, clairement, si je peux m'économiser de l'argent, je ne jette pas l'argent par les fenêtres, pas du tout. Tu connais les marques, la marque Spirit of Gamer? Ça me dit quelque chose, vaguement quelque chose, mais non, je crois pas, Matt, c'est... Non, non, ça me dit rien. Spirit of Gamer, non, pas du tout. Va voir Discord en PV, un lien Amazon. Ok, je vais regarder. Ah merde, j'ai pas eu le temps. Après, Fox, rappelle-moi d'aller regarder juste après la partie. Oh merde, je dois mettre mon casque en fait, il fait chier. En parlant de casque. C'est parti les gars, c'est parti. Au moins pour entendre le jeu. Ok, c'est parti. On peut aller réparer des générateurs. Où sont les générateurs? Ils sont quelque part, je le sais. Ah, voilà, là j'entends, c'est beaucoup mieux. Ah oui. Ok. Il y avait Fox, je sais pas, justement, en passant, puisque tu m'envoies un lien sur Amazon, Fox, tu peux m'envoyer, tu pourrais me faire le service de m'envoyer le lien de ton headset. Tu vois tes petits headsets qui sont sans fil aussi. J'aimerais beaucoup, potentiellement, un jour en acheter un pour mon fils. Parce que je trouvais ça cool pour les enfants. C'est tout petit, c'est relativement confortable. Et on entend quand même bien dedans. Je trouve ça très très cool en vrai. Alors j'aimerais bien un jour vraiment en acheter un à mon fils. Parce que lui il a son Xbox dans sa chambre et tout. Et quand je joue avec lui à Halo, bah du coup je pourrais être vraiment au micro correctement avec lui quoi. Parce que là pour le moment je lui donne un de mes casques. Je lui prête un de mes casques parfois quand on fait ça. Mais c'est trop grand pour lui en fait. Mais les casques que t'as chez toi ils sont tout petits. C'est parfait pour les enfants. C'est vraiment cool. Ça vient avec radiateur, bloc, CPU, liquide, tourlure, flexible, je crois. Leurs fans aussi. Ok. Désolé, j'ai pas suivi la conversation. De quoi pour John? Je parle du un petit casque. Tu vois, un petit casque comme moi, mais c'est pas Steve Series. Lui, à la maison, il y a un petit casque sans fil comme ça. C'est... bah, c'est plus petit. C'est clairement pas aussi confortable. Mais pour les enfants, je trouve ça cool parce que c'est un peu plus petit, justement. Ça se règle très bien à la tête d'un enfant. Et je trouve ça très très cool en vrai. Et le son il est quand même très bien, j'étais surpris même à quel point il était bien. Je crois que tu te trompes de headset, le sans fil que j'ai est quand même gros. Ok, alors c'est celui avec fil alors. Mais tant pis, ah merde mais non faut pas que ça soit avec fil, fait chier. Ah merde. Bah envoie-moi le lien du sans fil et je regarderai Fox, ok. Les gars, je me fais poursuivre par la chasseuse.
Je vous avoue que j'ai plus trop envie. J'ai eu giga peur. Ok, je suis mort. Et en passant les gars, n'utilisez pas la récompense de points de chaîne du PBM. J'ai complètement oublié de mettre mon bracelet. Si jamais vous voulez le mettre, au pire, dites-moi le, je vais le mettre, ok? Oh merde. J'ai complètement oublié de mettre mon... Ben mon bracelet, c'est pas vraiment un bracelet, c'est un bracelet à bras, genre. Pas à poignet, mais à bras. Je t'envoie, mais il y a un peu gros pour Emric, donc j'imagine aussi pour Anna. Non, mais c'est pas pour... Ouais, pour John. Ouais, mais je sais pas, John, il a une grosse tête quand même. Je sais pas. En vrai, je sais pas. Sinon, pour John, faudrait voir. Ouais, non, mais c'est surtout pour John, mais c'est parce qu'il a son Xbox dans sa chambre et tout. Des fois, on joue à Halo, tu vois, et c'est cool. Il est... Mon petit garçon, 6 ans, les gars, il est très fort à Halo. C'est un vrai Master Chief, ok? Et bah du coup j'ai envie qu'il soit meilleur et qu'on joue plus souvent. Mais pour ça il faudrait pouvoir communiquer sur le jeu, toi. Il a quitté le con. Vraiment, on est trop fort les gars, on fait une bonne équipe Zirta et Matt. On se refait ça? On se refait ça direct? On fait vraiment une très bonne équipe je trouve. Qu'est-ce que t'as fait Matt encore? Tu l'as ridiculisé encore une fois, c'est ça? Non, vous savez quoi, je vais le mettre maintenant. Oh, putain. Pendant qu'on est dans la partie, je vais le mettre... Ben pas dans la partie, mais pendant qu'on est dans le truc là, le chargement et tout, je vais mettre mon bracelet. Parce que Zirta, ouais, tu sais peut-être pas, mais ça permet en fait à tout moment d'utiliser la récompense de points de chaîne et de voir mon BPM en live sur le stream. C'est peut-être ma faute, je pense plus à... Ah ouais, il a peut-être crash. Ok, ouais, c'était trop spontané, ouais, je vois. Va voir sur Discord, ok, je regarde. Du coup, tu m'as envoyé le clavier, ok, Razor. Ouais, non, mais ça je connais, bien évidemment. Attends, mais c'est ça que tu m'as dit que t'as acheté? Ah, ok, parce que t'as acheté le démonstrateur, Fox, c'est ça? Ouais, il est 90 balles, c'est ça. Il est pas 50 balles. Mais t'as acheté le démon et du coup, il t'a coûté 50 balles, Fox, c'est ça? Le water cooling, ok. Je regarde le water cooling, mec. Le water cooling, c'est celui-là. Ok, 319. Ok, ouais, je vois. Du coup, il y a tout avec, genre. C'est spécial. Attends, je vais juste aller vite fait, les gars, mettre mon truc mûche. Je vais activer aussi mon appli, parce que si je n'active pas l'application sur le mobile, ça ne fonctionne pas. Du coup, il faut absolument que j'active l'application sur le mobile, si je veux que ça marche. Non, mais c'est pas ce que je veux... y a tout donc, moins de dégâts possibles et pas besoin de laver, juste enlever la poussière du radiateur. Ok. Moi, il va falloir que je... Bientôt, il va falloir que j'enlève toute la poussière de mon PC. Il y en a pas beaucoup, mais j'aime mieux, tu vois, le faire trop souvent que pas assez. Clairement, avant que ça colle dessus aussi, surtout. Bon, du coup, c'est connecté. Est-ce que j'ai mes informations? Mon BPM, il est présentement à... 103. Est-ce que c'est beaucoup? Oui. Est-ce que c'est normal? Non. Du coup, laissez-moi 2 secondes, les gars. Ça va pas être long. Voilà. Ok, on est reparti. Je suis à 81 MDR. Ah oui, c'est vrai, on peut comparer, Fox. C'est cool. Ah oui, c'est stylé, ça. Il y a donc moins de dégâts... Non, ça, c'est j'ai lu. Moi aussi, il faudrait que j'enlève... ouais, exact. En fait, je vous... Il y a des...
Je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais sur Amazon, j'ai vu, il y a des... comment je pourrais dire? Vous avez déjà vu un pistolet à peinture pour le graffiti, genre, un peu? Pour la peinture à aérosol? Ça ressemble à ça, mais au lieu d'être une peinture à aérosol, c'est juste de l'air qui sort, et c'est pour nettoyer les claviers et tout. J'ai envie de m'acheter ce truc. C'est pas... en plus, c'est pas un fil, c'est vraiment à batterie. Et je trouve ça cool, parce que comme ça, moi, je peux nettoyer mes trucs tranquille, et après, je peux le passer à Miss, et elle nettoie ses trucs tranquille, tu vois. Et je me dis juste, le problème, c'est que la poussière, elle va voler dans les airs, mais elle va aller où après? Elle va retourner dans le PC. C'est ça ma question. C'est pas une question, mais c'est mon inquiétude plutôt. Il y a des cannes de air de Star, lol. Ouais, mais je trouve que c'est de la merde, ça pousse pas assez, Fox. Je trouve que ça pousse pas assez, moi, personnellement. Et il y a aussi un truc qui me fait peur, c'est que ça devient giga froid si tu le mets trop au même endroit, trop rapidement. Non, mais en même temps, ça c'est pas grave. En même temps, ça c'est pas grave. Parce que justement, faut pas le mettre trop fort. C'est du CO2, c'est pour 300 PSI. Ouais, non, mais et aussi, Fox, bah du coup, faut racheter les cannes à chaque fois, c'est cher! Et là, moi, tu vois, j'aimerais pouvoir nettoyer mon PC régulièrement et pas que ça me coûte de l'argent à chaque fois. Juste acheter un truc qui va me coûter plus cher en un seul coup, mais que je vais pouvoir garder longtemps, tu vois, genre. Parce que c'est ça, on a deux postes à nettoyer, vraiment. Il y a le poste de mon PC de streaming, et il y a le poste à mes soucis. Et ce serait cool qu'on n'ait pas acheté deux cannes à chaque fois, parce que je pense que je vais finir la canne, en vrai. Je sais pas. Je sais pas combien est-ce qu'il y a de temps dans une bombe d'aérosol. Je sais pas du tout, hein, les gars. Les gars, il est possible que je meure dans quelques instants. Assez rapidement, en fait. Ou pas. C'est peut-être pas moi. Un compresseur, ça envoie de l'humidité. C'est 3 cannes pour 12$, je crois. Ah ouais, quand même. Non, mais ça va, c'est pas si cher, mais quand même, ça m'énerve de dépenser à chaque fois, Fox, en fait. J'aime mieux toujours acheter un truc et pouvoir l'utiliser pendant des années. Hein, c'est plus mon délire. Je répare un générateur, les gars. Je suis avec toi, Matt. Viens, 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 répare avec moi. Allez, allez, allez. Vite, vite, vite. Arrête de me regarder, répare le générateur. Go, go, go. C'est pas en me regardant que ça va aller plus vite. Je suis dans la merde. Je suis giga dans la merde. Je suis vraiment, vraiment dans la merde, les gars. Oh putain, bordel de merde, j'ai eu peur. Désolé si je vous ai crié dessus, les gars. Hein. J'ai eu très, très peur et j'ai fui. J'ai réussi à fuir. Je suis trop content de moi. Ça m'arrive jamais, ça. Normalement, si tu sors me voix, je suis mort. Je réussis jamais à fuir. Oh là là, mais quand même, je suis content. Je trouve que c'est ce que tu cherches. J'ai mis sur Discord le chat général 50 balles. Ok, je regarderai, Fox. C'est peut-être exactement ce que j'avais déjà vu, que j'avais mis dans mes envies, Fox. Je regarderai. Et je t'en montrerai après aussi, comme ça, tu me diras si c'est pareil. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des problèmes de nettoyage de PC dans le coin? Ou vous êtes tous sur console? C'est possible aussi. Hein. Non, Matt! J'arrive, t'inquiète. Et moi qui dis à Matt, oh non, j'arrive, t'inquiète. Il doit se dire, oh merde, c'est lui qui arrive. Je suis là, mec. T'as vu une chance que je suis là? Dégage. Ça va, j'ai réussi à sauver Matt, je suis content. Mais c'est pas grave, je suis digne de jouer avec Matt, ok?
Oh, pardon. Oh non, il m'a... Oh non, il m'a retrouvé, il fait chier. Ah, j'étais en train de mourir, what the fuck. Trop tard. je commence à en avoir marre de chasser ce foutu compagnol. Mais arrête-toi alors. Arrête-toi, c'est pas grave, mais t'as d'autres trucs qui sont meilleurs. Oh merci, merci beaucoup. Je vais me soigner par là-bas. Je vais aller me soigner, t'inquiète, y'a pas de soucis. Vous pouvez aussi me soigner, ça me va aussi, c'est cool. Merci. Attendez les gars, je vais me prendre une petite pastille pour la gorge. Vous savez, c'est toujours bon. Oh oui. Oh oui. Ça va m'aider, ça. Je viens t'aider, t'inquiète. Je suis avec toi, c'est qui est là avec moi? C'est Rebecca, je pense, non? Non, c'est pas Rebecca. Ah, c'est Zirta! Oh merde, Zirta va me détester. Désolé, Zirta. Pardonne-moi. T'es blessé? Si t'es blessé, je peux te soigner. Hein. Je soigne vite en plus, moi. Va-t'en. Je vais la tirer quelque part d'autre. Allez, viens avec moi. Allez, Bobé. Je crois que... coucou Andy. C'est ça, je crois, coucou Andy. Il m'a pas fait, je fais si barré trop bien. Ok, il m'a pas vu les gars, c'est bon. Oh merde, je me suis raté à cause de sa magie. Oh mais non, mais qu'est-ce que j'ai fait? Attends, je suis pas là. Que tu affrontes le... Ouais, non, ouais, mais t'as vu? Tu es avec Pyramid Head, moi je croyais que c'était toi et finalement t'es même pas venu, je suis triste. Je tiens à dire que le tueur n'approche pas, Matt. Attends, je vais me soigner, moi, je t'avoue. Tu veux nous rejoindre après? Il reste une place, justement. Si tu veux, rejoins-nous. Ah merde, c'est Zirta! Il va falloir aller l'aider. J'arrive, Zirta. Encore une fois, Zirta, il doit être comme... Ah, peut-être qu'il est plus fort que... Qu'est-ce qu'il laisse croire? T'inquiète, ça va bien se passer, Zirta. Il m'a pas vu, j'arrive. Je suis avec toi. Je vais être ton héros aujourd'hui. Je peux te soigner, t'inquiète. Ah oh. Ah non, il part même pas vers moi, connard. Ok, Vivi, je te soigne vite fait. Quoi, ça marche plus? Ah, ok. J'avais pas vu que j'avais plus de trucs de soins. Non mais, putain, mais bouge pas, je veux te soigner au moins. Ok, comme ça on va pouvoir aller des maths. Non. Matt, t'es où? Matt, t'es... What the fuck, t'es où, bordel? Oh merde, mais quand même. Même pas, tu m'as invité. Tu sais que je t'ai cherché, Andy. Je t'ai cherché sur le jeu, t'étais pas là. Alors, non, t'as pas le droit de dire ça. Vous savez que j'arrive plus du tout à me débattre, hein, les gars. Je n'arrive plus du tout à me débattre. Je suis pas capable avec ça. C'est pas un truc... non. On peut encore le changer ou pas du tout? Non, on peut pas. Oh, merci! Merci! Oh, vous êtes trop fort. Merci beaucoup, les gars. Oh mon dieu, mais comment j'aurais de la difficulté? En plus, j'ai une flashbang sur moi. Je vais. Bah, en fait, je suis pas sur moi, faut que j'aille la construire. Il me faut un casier. Pour que je puisse la construire.
Ah, il y a un casier ici. Oh, je me rappelle encore de la safe flash que je t'ai fait, Andy, la semaine passée. C'était si beau. Oh là là, c'était si beau. C'est tellement rare que je fais des safe flash que quand j'en fais une, mec, j'ai l'impression que c'est à chaque fois c'est ma première fois. C'est une dinguerie. Bon, perso, je vais aller manger. Eh ben, bon appétit à toi, Jojo. Tu vas manger quoi? Et merci pour le lurk encore une fois, comme d'habitude. Merci beaucoup. Oh merde, Zirta encore. Ok, j'arrive. Tu sais quoi, j'ai une flash sur moi. Imagine, j'arrive à t'aider. Ah merde. peut-être pas. Fais chier. Ah non, c'est ta deuxième fois, non. Les gars, je me suis planté. J'arrive, Zirta. J'arrive le plus vite que je peux, mais je vois que quelqu'un t'a déjà décroché. Du coup, j'arrive pour rien, mais j'arrive. Ah, tu vois, ça va vite. Ça va le faire, les gars, ça va le faire. Ah, je ne sais pas encore, je verrai après. Ok. Ça va le faire. Pourquoi est-ce que j'ai peur comme ça? Je trouve plus mon headset sans fil. Bah, GG. Ah oui, on est 4, trop bien. Ah non, il m'a vu quand même, fais chier. Ah, je croyais que j'avais flash. Merde. Ah non, il est seulement avec Phil. Je me rappelle que t'en avais un petit Fox. Et c'était cool parce que tu mettais une petite clé USB sur le Xbox et du coup tu pouvais... c'est ça, il était sans fil à cause de ça. Mais c'est pas comme le mien, moi j'ai pas de USB à mettre. Moi il marche directement avec la console direct, mais toi tu devais mettre une petite clé USB. Les gars, je tiens à vous dire que je suis mort. Dans la paix, dans l'amour et dans la souffrance. Oui, parce que ça va ensemble. Puisqu'on n'est plus, plus à la Saint-Valentin, il faut le dire. Ok, ça va, ça s'est bien passé en vrai. Il vous reste un générateur à faire. Merde, Zirta aussi, il est mort. J'avais pas vu que t'étais mort, Zirta. Comment t'es mort? Zirta, comment t'es mort? J'ai pas vu. J'ai pas du tout remarqué quand est-ce que tu es mort. Peps, il est très gros et sur internet, ne me trouve plus en version sans fil. J'ai regardé Amazon et Walmart, il y a seulement la version avec fil est disponible. Ok, ouais, je vois. Il m'a mori. Ok, c'est ce que je croyais. Ah, je crois que c'est quand j'étais par terre. Je crois que quand j'étais par terre, il est allé te mori. Après, il est venu m'attraper, je crois, non, Zirta? Parce que il me semble qu'avant d'être par terre, on était tous en vie. J'étais par terre, je m'ai accroché. Il a fini par m'accrocher et après je voyais que t'étais mort. Genre. Du coup, j'imagine qu'il t'a mori pendant que j'étais sur le crochet ou pendant que j'étais par terre. J'ai jamais fait de mori de ma vie, les gars. J'aimerais beaucoup en faire. Avec mon Freddy, je connais pas du tout les animations avec Freddy Krueger. Je trouverais ça cool. Du coup, Andy, on t'évite ou pas? Ah, je vais me moucher, les gars. Laissez-moi 2 secondes. Tout va bien.
On fait une PP. Bah si Andy vient, on peut. Si on est que deux, si on est que deux survivants, bof. Si on est trois survivants, ça peut être cool, je trouve. Même s'il y a qu'un bot, ça va. Mais s'il y a deux bots, je trouve que c'est trop, genre. Est-ce que Andy est dans la place? Andy est appelé au Nexus dans le hall d'entrée, s'il vous plaît. Andy. Est-ce que tu veux nous rejoindre, Andy? Est-ce que t'as le temps? T'es peut-être occupé aussi, c'est possible. Hein? En plus, je vois que t'as ton badge pour dire que tu ne regardes pas le stream, alors peut-être que tu peux pas, en fait. J'arrive, ok. On t'invite. Ah, il est juste là. Il est juste là en plus. Trop bien. Et là, il va bugger. Parce qu'on le connaît. Il aime beaucoup bugger. Tu nous dirais si ça marche en vrai, Andy. Sinon, on va redémarrer la console. Pas le choix. La console, le jeu, je veux dire. Finalement, je sais pas, Yamat. Arrête tes conneries. Discord, je t'ai envoyé une photo. Ok, je regarde vite fait. Ok, c'est ça le casque. Ouais, ça, c'est tout petit. What the fuck, c'est tout petit comme casque, Fox. Comparé à mon casque, c'est tout petit, ton casque. Hein. Il est ajusté au plus petit. Ouais, non, mais clairement, mais ça va. En vrai, je crois que ça va, Fox, comme casque. Je crois. Au pire, c'est ce que j'imagine bien, Fox. Tu vois, j'achète, je crois qu'il y a ça au même au Dollarama. Les genres de, tu vois, les frites. Les frites pour l'été, pour la piscine. J'achète ça, je coupe et j'en mets juste une couche ici sur le dessus. Pour que ça soit suffisamment ajusté pour mon fils. Je pense que ça peut le faire, on est d'accord, non? Le noir, c'est le style, la Steel Series. Le noir, c'est le Steel Series. What the fuck, mais ça, c'est pas du tout Steel Series. Il m'aime pas, mais non, pas du tout. C'est pas vrai ça, Andy, tu le sais bien. Vous vous aimez d'amour même. Soma, avertis le Nexus d'éloigner vos mamas de peps. Je sais pas du tout pourquoi tu dis ça, Soma. Pourquoi? C'est pas vrai, je suis pas d'accord, Soma. Il y a aucune raison qu'on éloigne les mamas de moi. J'espère que les games seront bonnes. Bah oui. Je pense que oui. Du coup, je me mets prêt. Il manque plus que Matt. Ah, mais non. À moins que... Attends. Vous voulez pas qu'on parte en partie perso? On peut faire. Et on fait ce soir un à la fois. Si vous me permettez, j'aimerais bien commencer. je t'ai envoyé un MP. Ouais, c'est ça. Invite-nous, Matt. Nice. Ça va être cool. Ça va être très cool, même. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de partie perso en plus. Ah, je vais focus Andy, hein, parce que je l'aime beaucoup. Toi, un killer, bah oui, je vais te focus, mec, parce que je t'aime beaucoup, tu vois. J'ai beaucoup d'amour pour toi, alors je vais venir te câliner, je vais venir te donner des petits coups de patte, toi. Ah non, pas la pépé avec Matt. Tous les coups sont permis. Et ouais, bah, évidemment. Ouais, t'inquiète, on t'évite, Zirta. Je vais juste accepter l'invitation de Matt, puisque c'est lui qui va faire le groupe. Je sais qu'il aime beaucoup faire les groupes. ouais, c'est pas mal ça. C'est quand tu veux, Matt. Il y a même Fox qui devrait télécharger le jeu et venir avec nous. Hein, Fox? Tu sais, si tu télécharges le jeu, tu peux venir direct. Il est dans le Game Pass, hein. Il est non, c'est pas un free-to-play, hein. Il est juste dans le Game Pass. Bon, même... En même temps, même s'il serait pas dans le Game Pass, je l'achèterais direct, hein. DBD, c'est un jeu comme Overwatch. C'est un jeu que je jouais tout le temps avant qu'il soit gratuit et tout. Bah là, il est pas gratuit, mais dans le Game Pass, quoi. Mais j'y jouais même avant, quoi. On est tous là. C'est quoi? C'est qui, Victorio? What the fuck? Ah, ok, c'est le... Attends. Il manque quelqu'un, là.
Ok, non, j'ai compris. Ok, je t'invite, Zirta. Non, c'est ça, je me disais, il manque quelqu'un, là. Je trouvais ça bizarre. Pardon, les gars. Désolé. Ok. Moi, je sais très exactement ce que je veux ici. Je veux ça. Ça ici. Il peut sûrement y avoir mieux en vrai. Mais je sais pas quoi. Là, je vais me faire stream hack de fou, les gars. Je le sais très bien. Ah, on va prendre ça parce que bah, j'ai envie de voir le Mori, quoi. Évidemment. Ok, moi je suis prêt. C'est quand vous voulez, les gars. Du coup, on va faire ça. Regardez, je me note même. Je me note l'ordre pour qu'il n'y ait pas de blême. Attendez, je sors mon petit bloc-notes. On va faire moi tueur en premier, ensuite Zirta, puisque c'est, ben, il vient tout juste d'arriver sur la chaîne, on va lui faire le plaisir d'être le deuxième tueur si jamais il veut être tueur. Ensuite Matt, puisqu'il accueille la partie, et Andy, puisqu'on l'aime beaucoup. Et ensuite on fait une boucle si jamais on continue à faire des parties perso après. J'ai une tête moyenne et le PDP, je le mets au minimum. Ok. Ouais, mais comme je te dis, tu penses que ça marchera avec une frite Fox sur le dessus, genre. Que tu coupes en deux et que tu mets à l'intérieur, genre, tu mets le truc le, ici, pour que ça fasse plus gros et que ça marche pour le jeune, l'enfant. Il n'y a pas de souci, Andy. Je joue tellement pas killer, c'est pas grave, Andy, tu vas quand même le faire. Il manque plus que Matt et Zirta être prêts. C'est quand vous voulez. Je sais que vous êtes en train de choisir les peurs, qu'il n'y a pas de souci. Ah, ça fait tellement du bien de boire ça. C'est une dinguerie. Ouais, sûrement, mais ça va être très beau. Ouais, non, mais clairement, mais ça, on s'en fout, tu vois. C'est à la maison, ouais, c'est pas grave. Et si tu le trouves sans fil, ils ne le font plus. Ah merde, dommage. Ah mais non, mais c'est normal, Fox, en fait, qu'ils le font plus. Bah, l'ancien modèle, c'est normal. Parce que justement, tu vois, avant, il fallait le brancher au Xbox avec une petite clé USB. Parce que le Bluetooth n'était pas une version de Bluetooth la même que les téléphones sur les Xbox, pour les Xbox One. Mais maintenant qu'il y a la Xbox Series S qui est sortie et Series X, c'est le Bluetooth, c'est la même version de Bluetooth que sur les téléphones. Du coup, je crois que c'est parce qu'ils vont en sortir un autre avec une version Bluetooth normale. Tu vois, genre, pour pas qu'il y ait besoin d'avoir la petite clé USB, Fox. Alors, ils vont sûrement en sortir un bientôt, en vrai. Matt, mais prêt? Ouais, prêt. Voulez-vous une map? Oui. Mais une map avec des crochets, c'est tout. Ok? Un maximum de crochets. Version PlayStation, tu crois? Hein? Version PlayStation marche, tu crois? Je sais pas, c'est mieux pas prendre de chance en vrai, Fox. Parce que des fois, c'est pas la même chose. Logiquement, vu la version de Bluetooth qu'il y a en ce moment, ça devrait marcher. Mais bon. Ah, en même temps, l'équipement Microsoft aime beaucoup, tu vois, niquer le truc. Je prendrais pas de chance à 120 balles. Ah, fuck, c'est très 120 balles. Mais c'est très simple. Tu vois, tu pars, Non, j'allais dire une grosse connerie. Je t'enverrai un truc après le live, Fox. Pas de Midwish, sinon je joue pas. C'est quoi Midwish, Andy? C'est troll, Matt. Mais c'est pas cette map, elle est horrible aussi. Mais c'est quoi cette map? C'est End on Field, c'est laquelle? Non, rien, Fox, oublie. T'inquiète. J'allais dire une énorme connerie. C'est pas Twitch friendly. Arrête de te plaindre. T'as vu, c'est l'une des pires. Je l'aime pas. Non, mais c'est pas grave, Andy. De toute façon, en vrai de vrai, Matt. La prochaine fois, à chaque fois qu'on fait de la partie perso, laisse en aléatoire. J'aime pas quand on choisit la carte. C'est... Ça part son sens. Le but, c'est qu'on soit en partie perso, mais que ça soit comme un matchmaking et que tout soit aléatoire, tu vois.
tunnel, Matt Peps. S'il te plaît, ok. Si je vais le tunnel, vous allez faire tous les générateurs pendant qu'il va me faire tourner en bourrique, c'est mort. T'es bizarre, mec. Le casque semble être 120 balles pour play. Ouais, mais 120 balles pour un PDP, non. Je prendrais pas un PDP, hein, en vrai de vrai, Fox. Hein. C'est trop cher. C'est beaucoup trop cher, je trouve. Là, j'ai mis une offrande, c'est tout. Ok. Le premier que je vois, je le tunnel. Non. On verra en vrai. Je vais essayer de pas tunnel en vrai. Oh! Oh! Il y a des gens là-bas. Il y a des gens. Des gens avec des jambes. C'est qui lui? C'est c'est Matt? Non, c'est pas Matt. Une fausse palette, ça. Ça aurait été si bien que ce soit une fausse palette. J'ai envie de crier à chaque fois qu'il y aura une palette, je vais dire c'est une fausse palette, c'est une fausse palette. Je vois plus rien, salaud. Ah, coucou toi, Zirta. Zirta, sache que j'adore le skin que t'as mis à ton perso. Je la trouve très belle. Non mais Zirta, il s'est quand même approché au maximum pour que je lui donne un bon petit câlin. T'inquiète, si t'as besoin d'un peu d'amour, je peux m'arranger. Hein. J'ai des mains... j'ai des grandes mains. Avec Freddy Krueger. Fausse palette. Salaud. T'as tellement une chance, mec. T'as une chatte de folie. Coucou. Il me dit. Tu t'attendais pas à celle-là, hein? 1, 2, 3... c'est quoi déjà? Non. 1, 2, 3... Va chercher ton crucifix. Non, je me rappelle plus du tout, c'est quoi? Je me rappelle plus de la musique. Désolé. Pardonne-moi, Andy. Ok. 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 Si tu veux la jouer comme ça, Matt, on va la jouer comme ça, c'est pas grave. C'est pas grave. Tu veux la jouer comme ça, on va la jouer comme ça, y'a pas de soucis. Vas-y, flash. Je suis persuadé que je suis passé très proche de t'avoir, mec. Ah, mec, j'étais à un poil de couille de t'avoir. Salaud. Non, tu vas pas partir. Tu ne peux plus partir, mec, tu ne peux plus. Est-ce que t'as remarqué que ça t'aide pas beaucoup de me flasher, en fait, hein? Je sais pas si t'as remarqué. Ça t'aide pas beaucoup. Tu peux me flasher autant que tu veux. Y'a pas de soucis. Attends, mais c'est quoi ça, ce bordel? T'étais déjà blessé, pourquoi t'es pas tombé? Cheater! Pourquoi? C'est quoi cette injustice de merde? Je te déteste, c'est... ça va, c'est fini. Je déteste Matt, les gars.
On va le Théo pour 20 minutes. Oh merde. Mais what the fuck? Mais t'es si loin! Comment tu peux aller si vite? Comment il peut aller si vite, genre? C'est une dinguerie! Genre de où? Tu vas si vite? Tu vas plus vite que moi, c'est pas normal! T'es censé aller moins vite que moi! De où tu vas aussi vite? Salaud. Salopard! Ouah, mais non, mais non, mais non, les gars. Je suis perturbé. Je savais qu'il fallait pas que je tunnel marque, les gars. Regardez. Ça marche pas du tout. Non, mais t'es venu vers moi. Je vais pas te tuer quand même. Dis-moi où sont tes potes. Andy, dis-moi où sont tes potes. Ah, mais Zyrta, il est là. Zyrta, quel beau dos tu as. En plus, tu as une belle crinière de cheveux. J'ai vraiment envie de te donner un beau gros câlin. Attends, mais what? J'ai compris, Zyrta, il veut des câlins. Coucou. Wouhou. Oh, il est où? Ah, merde. C'est pas juste. Tu fais des bons vents, je les comprends pas du tout, Zyrta. Ah, ça va, non, là, ça, tu pouvais pas m'avoir deux fois. Je dis ça, il m'a déjà eu 40 fois. Là. Ok, premier crochet de la soirée en PP. Le petit problème, c'est que... Bah... Quoi? Oh, l'enfleur, il est là. J'ai compris. T'inquiète. Y a un truc là, y'a un truc ici. Je sais pas comment on appelle ça, c'est un... Un PNJ. Coucou toi, bonjour. Mais non, mais hé, oh! Pourquoi vous réparez les générateurs aussi vite? C'est pas juste! Non, Andy! Non, tu vas pas l'avoir. Désolé, Andy, c'est juste que c'était pour les besoins du stream. Est-ce que Andy va réussir à me flash? Pas Andy, mais Matt. Non, il a pas réussi. Oh, l'enfleur! Il a quand même décroché Andy! Pourquoi il a fait ça? Non. Andy, t'as pas réussi. Tu n'as pas réussi. Attends, mais t'es où, bordel? Tu l'auras pas, Andy, tu l'auras pas, c'est mort, hein. C'est mort, tu peux pas. Ah, je t'ai eu, ok. Je pensais que je t'avais pas eu, je croyais que t'étais parti en courant, Andy, je t'avoue. Vas-y, pars-toi. Non, je veux pas que tu pars. Zyrta! Bon, bye! Bonne journée! Passez une belle journée à l'extérieur! Bye! Il y a lui qui m'énerve aussi. Vas-y, Andy, hein, vas-y! Bah, c'est ça, barre-toi! Ouais, c'est ça, connard! Bon, voilà, c'est ce à quoi ressemblait un pep ce soir venu de l'espace. Tu étais invincible? Bah non. Invisible, comment ça invisible, Andy?
Attends, attends, tu triches, Peps. Comment ça, j'étais invisible? J'étais pas du tout invisible, hein? On peut recommencer si tu veux pour être joueur. Bah non, mais là ça va. On peut. Là, regarde, c'est Zyrta qui va être le tueur. Et nous, on va être survivants. Discord 100, 140, les moins chers. Attends, je vais lire tes autres messages, pardonne-moi. Est-ce que j'essaie de te faire comprendre, mais moi, c'est le modèle 5.1 surround. Il y a sûrement un modèle stéréo normal Turtle Beach. Il y en a à 99 balles. Semble être le moins cher sur Amazon. Ok. Ah ouais, ok. Tu vois, je pensais que le 5.1 s'était rendu le normal, moi, Fox. Ah ouais, non, mais c'est vrai, non, c'est vrai, il y en a encore des stéréos. C'est rare, ça commence à devenir rare, je crois, les stéréos. Pour les headsets de gaming, surtout, le 5.1 devient quand même pas mal le par défaut, et après, si tu veux haut de gamme, c'est 7.1 au surround. Quand tu l'as pris, tu étais invisible, et après, tu es redevenu apparent. What the fuck? Ok, c'est chelou. Mais tu ris, Andy? Ou plutôt, on parle de ça. La semaine passée, les gars, j'ai une personne, un Américain, qui m'a écrit sur Xbox pour me dire, il a fait un clip de moi qui se téléportait. On disait que je m'en allais dans un endroit et tout d'un coup, j'étais à côté de lui et je le prenais, genre. Comme si j'étais en train de hacker. Et là, il était comme, ah, je t'ai pris en train de hacker, je vais te... signaler et tout. Et j'ai vu le message, j'ai vu le clip, j'étais comme, what the fuck, il s'est pas du tout passé ça pour moi dans mon écran. Je lui ai écrit en anglais avec Google Trad, je lui ai dit, regarde, j'étais en stream, va voir ma Rediff, c'était pas du tout ça pour moi. Hein. Et le gars, il était comme, ah, ok, bah, ok. Il était surpris lui-même, genre. J'ai pas tout compris. Attends, mais je vais regarder, c'est pas en rapport avec les peurs que j'ai? Non, normalement on peut pas se mettre invisible, on est d'accord. À ce cas ça, tout survivant réparant un générateur souffre des effets de statut aveuglément et épuisement, c'est pas ça? C'est pas le statut aveuglément qui fait ça peut-être? Non, je pense pas, aveuglément, je pense que c'est que le cœur que tu n'entends pas, non? C'est pas moi qui deviens invisible. J'ai réussi à trouver comme le mien à 100 balles. Ah ouais, mais 100 balles, c'est cher quand même, what the fuck? Je crois que tu l'avais acheté moins cher, j'avoue, Fox. Je crois que tu l'avais acheté un truc comme 60 balles, moi. Non, mais le générateur était fini. Ok. C'est bizarre, en vrai. Je suis tueur. Ouais, ok. Je m'enlève de tueur, pardonne-moi. Voilà. Je me mets en tant que survivant. Je vais me mettre un bon truc de heal. Genre, lui. Non, pas lui. Genre, lui. Ouais. Oh, ouais, lui, il a l'air mieux. Ok, et ici on va mettre bien évidemment ça, on va mettre bien évidemment ça, et on va mettre bien évidemment, non ça va comme ça en vrai. Ça c'est bien. Ça c'est bien, ouais. Et si j'ai rien de besoin en tant que tel. Une partie. Vous commencez la partie avec quelqu'un d'autre secret. Ok. C'est drôle ça. Vas-y, moi je suis prêt. Bonne chance à toi, Zyrta. On va voir comment tu t'en sors. tu as triché. Non, j'ai pas triché. Je t'aime, dis, je veux pas tricher, t'inquiète. Oh merde, dès que je prends pas de pastilles, je me sens mal, genre. Ah, il y a longtemps. Ouais, non, c'est ça. Avant, c'était moins cher. Non, je sais pas. Ouais, c'est bizarre, en vrai, Fox. Matt, je prédis que la partie va durer maximum 6 minutes, Andy. 6 minutes max quand Matt va être le tueur. Ah, c'est sûr, hein. C'est sûr. J'avais raison, j'aurais pas dû courir après Matt en vrai. Mais le truc, c'est de courir après vous et vous mettre sur mon dos, c'est tout aussi dangereux parce que Matt, il est là derrière, il save flash sans arrêt, genre. C'est giga chiant. 6 minutes, t'es gentil. Ouais, je sais.
Ouais, mais je suis d'accord, pour les enfants qui ne font pas attention, les sans-fil, c'est tellement mieux, bah oui. Bah, quoique, ouais, mes enfants, en vrai, font quand même relativement attention, puisqu'ils ont l'habitude, en vrai, Fox, d'être entouré de fils et tout ça. Mais quand même, c'est pour le côté pratique, clairement, ça aide quand même, c'est fou. Un accident, ça arrive, non, non, exact, exact, non, mais c'est ça, c'est sûr. Ah, ça, c'est sûr, c'est sûr. Oh merde, Zirta. Il a pris celui qui se TP dans les casiers, les gars. Verrouillez les casiers, les gars, verrouillez les casiers. Oh, je sens qu'on va mourir. Oh, je sens qu'on va mourir, celle-là. Elle est... Oh, on est dans la merde. Il est trop fort, lui. En vrai, celui qui met la nuit comme ça, c'est trop fort, je trouve. Bonne chance à toi, celui qui se fait courir après. Qui a explosé le joystick sur la manette de Xbox? Je sais pas du tout. Ça sent la nuit... la nuit one-shot. Ah, il one-shot pendant la nuit? Non, les gars, il one-shot pas. Rassurez-moi, il one-shot pas pendant la nuit, les gars, non? Il y a par exemple les bruits d'enfants qui sont en train de crever ou je ne sais quoi, c'est vraiment chelou. Oh yes, oh yes, la nuit elle est finie. La nuit elle est finie. Bonjour Seiya, bonjour, bonjour, on a de la belle visite. Il peut one shot pendant la nuit, durant les 15 dernières secondes avec un add-on particulier. Ok, merci pour l'info. Comment vas-tu? Oh merde, est-ce que je suis vraiment au mauvais endroit? Je crois que oui, je crois que je suis au pire endroit possible. En forme et toi? En forme, oui, mais non, je suis fatigué, j'ai le rhume, mais je suis giga content. Je suis giga de bonne humeur. Du coup, je dirais nouille. Est-ce que ça se dit? Viens, viens, viens ici, viens ici, viens ici. Mat, mat, mat. Ah, j'ai peur. Oh mais what? T'es où? T'es où? J'ai pas de lampe de torche, mec. J'ai pas de lampe de torche, désolé. T'es où? Il t'amène où? Hein? Je te vois plus. Il t'a amené où? Ok, t'es là-bas. Ok. T'inquiète, frérot. Heidi ho, veux-tu être mon ami? Attends, je te soigne vite fait. Bouge plus, putain. Arrête de bouger, bordel de merde. Ah merde. Discord pour la vidéo de la manette Peps. Ok, je regarderai après le stream, parce que là j'arrête pas de regarder des trucs de manette et tout, Fox. Je regarderai après, on se mettra en vocal si tu veux après, un peu. J'ai peur, je m'en vais, si tu me permets, je m'en vais très très loin. Je ne suis plus là. Oh oh. Yes. Les gars, j'ai gagné. Mec, il m'a pas vu, c'était un truc de dingue. Tu peux même montrer. Non, non, pas là. Je fais ce que t'es en train de faire, Matt. Il a un totem ici. En fait, tu peux verrouiller seulement des deux casiers côte à côte.
C'est force dredge à se téléporter pour celui verrouillé. Donc tu peux verrouiller le second après qu'il ait brisé le cadenas. Attends, je comprends pas là. Oh merde, 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 merde. Ah! J'étais pas prêt à ça. Touché! Non, mais il faut quand même quelques préliminaires avant de toucher rectal, George, s'il te plaît! Oh merde, c'est un mur ça! Moi qui croyais fuir, c'était un mur devant moi! Oh merde! Non, 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 je suis pas là! En gros, verrouille seulement un seul. Attends. Verrouille seulement un seul des casiers côte à côte, Dredge se téléporte dans le bâtiment dans celui barré. Ah, d'accord. Mais attends, je comprends pas. Attends, quoi? Attends, Seiya. T'es en train de dire que si je... Il faut pas dans le fond verrouiller tout... Moi je croyais que on verrouillait les cadenas, les casiers, pour pas qu'ils puissent se téléporter dans les casiers verrouillés. Mais t'es en train de me dire qu'il peut se téléporter que dans les casiers verrouillés, c'est ça? Et du coup, j'avais absolument rien compris à comment fonctionnait ce tueur. T'es en train de me dire que j'ai pas compris ma vie depuis le début de mon existence? Je crois que c'est exactement ça. En passant, bienvenue, hein. J'ai même pas dit bienvenue. Non, en fait, l'exception, c'est que lorsqu'il y a deux côte à côte, ils se téléportent dans celui qui est barré, ok. Mais le mieux, c'est de tout simplement tout verrouiller, comme ça, il peut pas se téléporter nulle part, non, Seiya? Parce que c'est ce qui est bien, en fait, c'est de lui supprimer la capacité de se téléporter. Non? Je regarde, je peux peut-être juste commander un joystick pour le réparer. J'avoue. En vrai, Fox, attends, quoi? Attends, mais de quel joystick tu parles, Fox? Attends, mais ça me dit vaguement quelque chose. Genre vraiment vaguement. En fait, s'il y en a deux, quand t'as tout, tu barres seulement un des deux, tu peux verrouiller le deuxième lorsque le premier cadenas est brisé. On peut briser les cadenas? Ah ouais, d'accord. Alors là, j'ai vraiment rien compris, Seiya. Oh mon dieu. Donc, tu peux barrer l'accès à ces deux casiers deux fois de suite. Pourquoi est-ce que je comprends rien? Ouais, je crois que je suis trop fatigué. C'est possible, hein. Je suis presque sûr que tu m'expliques ça un autre lundi, Seiya, et je vais être comme... Ah bah oui, je comprends direct. On dirait que j'ai le cerveau. Mon cerveau, il est trop en compote. Ça marche pas du tout. C'est fou. Oh là là, bordel de merde. Oh merde. Ce ne sont pas les peps que vous recherchez. Ah, il y a un générateur là-bas, je crois qu'on va aller faire celui en haut. Et là, ils viennent de m'entendre, du coup, il le sait. Ok, je vais faire comme il a dit. Je verrouille que un cadenas. Ben, genre un casier. Le reste, je touche pas. Coucou! Vous êtes beau comme ça! Ok, je m'en vais à un autre générateur, j'ai compris. J'ouvre la boîte pour vous, si jamais vous en avez besoin, les gars. Oh merde. Attends, j'ai sauté peut-être un peu trop tôt, les gars. Ah non, ça va, c'est pas un prémoi qu'il est. Vas-y, va tuer Andy. Je suis un connard.
Je suis un atroce connard, les gars. Ok, je vais aller sauver notre allié. Il peut quand même faire diversion de temps en temps, alors ça peut être cool. Non, mais Matt, il a fait... Ok, non, c'est bon, c'est bon. Je suis un bâtard. Il y a quand même vraiment très peu de charges dans un dans une boîte de soins. Hein. Vraiment, c'est tout petit. Ok, mais où sont les autres générateurs? J'en vois pas. En plus, il y a des petits enfants, on les entend souffrir genre de loin. C'est fou. Mais non, Andy, t'es mort. Mais non, mais attends, et c'était la nuit, j'ai même pas pu voir que t'étais sur le crochet, genre, what the fuck. Tu te dis à Matt, rush-t-on, mais il essaye. Comment ça, rush-t-on? Comment ça? Ah, j'ai trouvé un générateur, enfin. Depuis le début, j'en cherche un. Mais si personne a fait le générateur, ben j'ai bien vu. Mais j'en cherche depuis tout à l'heure, mec. J'ai pas vu, moi non plus, j'ai pas vu que t'étais accroché, vraiment, j'ai rien vu. Hein. Tu vois, tu viens de passer deux casiers, il y en a un seul de verrouillé. Ouais, mais c'est ça, ouais. Ouais, j'ai vu. Mais il y en a un seul de verrouillé parce que... Genre là, il peut pas se TP dans aucun des deux casiers ou il peut se TP dans un des deux casiers. Parce que quand même, s'il peut se TP dans un des deux casiers, bah c'est... ça sert à rien de verrouiller les casiers, quoi. Il se TP quand même juste à côté de moi, s'il se TP. Oh oh. Si tu me permets, je vais m'en aller. Et pour partir très loin. Oh merde. Il m'a vu, les gars. Il m'a vu. Je suis pas là. Je suis pas là. Tu m'as pas vu. Au. Je suis mort. Parmi les héros, je suis mort. Non, pas encore. Parce que la mécanique du jeu fait qu'il se TP dans les casiers. Dans le casier bloqué. Il peut pas sélectionner lequel des deux. Ouais, mais c'est ça. Mais il se TP quand même à l'endroit où je veux pas qu'il se TP, Seiya. Même s'il se TP. Même si je choisis le casier, je m'en fous, quoi. C'est pour ça que tu ne verrouilles pas les deux en même temps. Ça se fait. Si ça fait de sens. Parce que mon objectif à moi, c'est qu'il ne se TP. Exemple, je sais pas moi, ici il y a deux casiers. Je suis à l'autre bout, je cours, j'arrive ici. Bah lui, du coup, il se TP ici pour m'attaquer. Mais moi, je veux pas qu'il se TP ici. Si j'en verrouille, je sens, il se TP. Si j'en verrouille deux, il se TP pas, non? Ou il se TP quand même à l'endroit? Non, je sais pas. Grosse discussion sur les TP, les gars. Vous n'avez jamais vu ça. Non. Viens m'aider. Allez, soigne-le. Mais il va être coincé. J'ai fait de la D. Non, mais t'inquiète, ça va, on est avec toi, Matt. Il se TP dans le casier verrouillé aussi. Il doit le briser avant de sortir du casier. Alors il sort pas rapidement du casier, ça prend du temps. Ok. Ah, ok, d'accord, je comprends. Ok, par là, tu veux dire que... Ok, dis-moi si j'ai bien compris, Seiya. Je crois avoir compris, enfin. Exemple, moi, je verrouille un casier, et si je vois qu'il est en train de se TP à côté de moi, je sais qu'il est dans le casier en train d'essayer de sortir. Du coup, moi, ce que je fais, c'est que là, je verrouille l'autre casier à côté pour qu'il puisse pas se re-TP à l'autre casier juste à côté pour s'en aller, genre. C'est ça? Oh non, je veux pas que tu meurs. Ah merde, non. Attends, je le fais en pro-message, vas-y, y'a pas de soucis. Il est mort le mec, y'en a marre.
T'as pas fini, Saya. Je suis toujours comme ça. En vrai, je suis toujours comme ça. Mais je suis un peu mort aussi. Et ça aussi, je suis toujours comme ça. Non, tu verrouilles pas car il va le casser direct en sortant. Du coup, tu nous as bien niqué, Tu nous as bien eu. Matt, il reste Matt, c'est ça? Non, il reste même pas Matt. Attendez, c'est le PNJ qui reste? Mais non. Attendez. C'est le PNJ qui reste. Ok, deux casiers verrouillés, sort d'un des deux casiers et brise le deuxième cadenas. Ok. Un cadenas verrouillé sort du casier verrouillé et ça prend 3 à 4 secondes au lieu de sortir rapidement. Ah, ok. Et ça brise pas le casier, ça brise pas le cadenas du deuxième casier. Du coup, tu peux verrouiller l'autre après. Quelqu'un peut passer à côté et le verrouiller. C'est encore du casier verrouillé. Ah, ok, d'accord. Ah ouais, ok. Non, mais c'est simple, ok. Je comprends, les gars. Je sais pas pourquoi ça m'a pris autant de temps de comprendre, en fait. Bon, du coup, le tour à Matt. C'est le tour à Matt, les gars. On est, mais dans une giga merde. Ça va être cool, ça va être stylé. J'espère que ça va marcher. Du coup, Zirta, tu peux revenir en survivant et venir avec nous. On t'attend. On veut ta présence avec nous. Tu vas nous aider. Donc, quand tu verras les deux en même temps, tu gaspilles le potentiel de l'empêcher de sortir lentement une deuxième fois. Ouais, je comprends, Saya. Je comprends totalement. Et là, oui, je suis d'accord. Je vais toujours verrouiller un seul casier. J'ai compris. Ok, je comprends. Moi, je pensais que verrouiller le casier, ça l'empêchait de se TP dans ce casier carrément. Mais non, ça l'empêche pas. C'est juste que ça le fait sortir moins vite. J'ai trop bien joué. T'as très bien joué, ouais, effectivement. Moi, tu m'as niqué. Ok. Du coup, Matt, c'est ça. Je vais mourir. Du coup, vas-y. Je suis prêt à mourir. Pour toi, avec toi, contre toi, c'est ça, c'est tout. Bon, je vais encore me mettre une pastille dans la gorge, sinon ça va pas le faire. Je tenais à te le dire au cas où, parce qu'une fois qu'il n'y a pas de cadenas dans la map, ça devient chaud. C'est sûr. Mais en vrai de vrai, c'est un tueur que j'aimerais beaucoup essayer. Mais j'avoue que le nouveau tueur qui approche là, avec son drone... Bon, c'est plus lui que je veux, encore plus. Il va nous démonter. On n'est pas prêt. C'est sûr qu'on n'est pas prêt, Andy. T'as pas le droit de prendre l'artiste, Matt. Hein? T'as pas le droit de prendre l'artiste. C'est trop facile pour toi si tu prends l'artiste. C'est pas juste. C'est son main, je crois. Il est trop fort avec l'artiste. C'est pas juste. Non, mais t'as le droit. Mais bon, en vrai, de vrai, il n'y a pas de challenge si tu prends l'artiste. Tu vas nous niquer beaucoup trop facilement. Alors, à toi de voir. Oh, les gars, demain, je reprends le balai. On repart sur Hogwarts Legacy. J'avoue que j'ai hâte de continuer mon aventure. Là, vraiment, Harry Potter, ça me fait beaucoup penser à mes débuts dans Genshin Impact. T'as envie de tout découvrir, c'est trop bien. Il doit jouer le pire killer. Bah non. Le pire killer, c'est le clone, Andy. Non, je dis ça parce que je sais que tu l'aimes bien, le clone, Andy. Oh mon dieu, ma tête. Oh ma tête. J'aurais dû prendre des médocs.
Gorge Legacy, c'est insane. Si tu enlèves les problèmes de performance et les bugs qui m'empêchent de 100% le jeu. Et Seiya, t'es sur quelle plateforme, toi, sur Gorge Legacy? Pas clown, c'est chiant. Non, j'aime pas. Ah, ok, je crois que tu l'aimais, Andy. Steam, ok. Moi, je suis sur Series X. Du coup, on a moins de bugs. On a un peu moins de défauts à ce niveau-là pour le moment, en tout cas. Parce qu'on le sait très bien qu'ils vont faire une patch assez rapidement et que les problèmes sur PC vont être réglés en priorité. Mais ouais, la version Hogwarts Legacy est un peu plus stable sur Series X. Mais les bugs arrivent sur toutes les plateformes. Non, ils avaient quelques bugs en plus sur la version PC encore dès le début. Mais c'est pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup. Même, j'ai déjà vu beaucoup de personnes jouer là sur la version PC. Même les petits bugs qu'il y a en plus sur la version PC, c'est pas dingue non plus. Hein. C'est pas injouable, c'est pas du... c'est pas un jeu de CD Projekt, quoi. Oh, quel connard que je suis. C'est pas Pokémon Écarlate et Violette, quoi. Tu vois le genre? C'est pas Destiny, c'est pas... Ok, non, j'arrête. J'ai compris. Celui-ci en particulier, je voulais dire celui qui empêche de 100%. Ah, ok, d'accord. Et c'est quoi le bug qui empêche de faire le 100%? Parce que j'en ai entendu parler, mais je l'ai jamais vu celui-là. Je vais prendre un de mes tueurs préférés. Ok. Ah, tu vas prendre le lanceur de couteau, Matt. Je sais. Tu vas prendre le lanceur de couteau, je te connais, mec. S'il joue Légion, je joue pas. Ben, joue pas. Non, il a pas pris Légion, il a pris le lanceur de couteau. Je le sais qu'il a pris le lanceur de couteau. Je le connais bien, mon petit Matt. Légion, je peux plus. Mais pourquoi Légion, tu peux plus, Andy? Pourtant, c'en est un, il est pas très fort, je trouve. Il est très loin d'être cheaté ou quoi que ce soit. À mon avis. Regardez, je suis sûr que c'est ça. Ouais, je savais que c'était le lanceur de couteau. Je le savais. Je suis rentré dans un casier direct, je savais que c'était ça. En gros, il y a des papillons qui donnent des trésors lorsque tu les suis. Il y a une quête reliée, ça peut découvrir un papillon dans la forêt interdite. Si tu découvres un autre des trésors avant celui de la quête, un des coffres de collection ne donnera rien lorsque tu l'ouvres et ta collection sera à 139 au lieu de... Ah merde, ok, ouais, je vois. Ah, c'est con comme bug en plus! Ah oui, ok, d'accord. Du coup, Miss, j'espère que t'as pas fait ça. Sinon, tu pourras pas faire le jeu à 100%. Non ! Pourquoi t'as fait ça ? Lis le message de Seiya. C'est un bug qui arrive, qui empêche de faire le 100% d'Hogwarts Legacy si tu le fais de cette manière. J'espère que tu l'as pas fait de cette façon. Donc, soit tu trouves le bon papillon et complète la quête... et sinon, trouver tous les papillons au complet avant de compléter la quête. Bah, normalement, je pense, il y a des bonnes chances que Miss l'ait pas fait de cette manière, puisqu'elle a fini le jeu. Mais elle a pas encore collecté tous les collectibles. Alors, je crois qu'en vrai, de vrai, elle devrait être bien. Quel killer de l'enfer, ça aussi. Mais clairement. Ah oui, mais c'est affreux en vrai. Mais non, mais tu m'as pas vu! Tu ne m'as pas vu! Ah, je suis caché! Non, arrête! Hé, hey, oh! Je suis ton pote! Mais je suis ton pote, arrête! Non, mais arrête! C'est quoi ça? Mais lâche-moi! Non, ça me pique le cul! Aïe! Non! T'as trop de couteaux!
Je le déteste. Ah, t'es trop fort. Oh, t'es trop fort. Oh mon dieu, je t'aime. Zirta, je t'aime. Merci. Ah oui. Trop fort, trop fort. Quelques heures de l'enfer, ça aussi, mais oui, totalement. Le premier papillon que j'ai suivi était relié à une quête qui se déroulait dans la forêt interdite. Ah, ok, c'est peut-être ça, du coup. Comme quoi, dans les jeux, c'est souvent mieux de faire les quêtes principales avant d'aller faire les quêtes secondaires, les gars. Ça peut vous empêcher ce genre de bug, en vrai. Parce que c'est pas le premier jeu où est-ce qu'il y a des trucs comme ça. Hein. C'est pas du tout le premier jeu où est-ce qu'il y a des délires, même. De cette façon. Alors, c'est correct, normalement. Mais j'ai laissé la quête de côté. J'ai trouvé d'autres papillons avant de faire celui de la quête que j'ai complété. Ah, merde, ok, ouais, c'est chiant. Et je me demande s'il répare le bug. Ah ouais, non, mais s'ils réparent le bug, je vois pas comment ils peuvent réparer ça, en fait. Une fois que c'est déjà fait, c'est mort. Oh, merde, fais chier. Dégage. Non. Mec, tu m'énerves. Sache-le. Tout va bien, les gars, tout va bien. Et sinon, Seiya, petite question, tu streams sur quoi ces temps-ci, de ton côté? Est-ce que tu streams, toi? Bah oui, il me semble que tu streams. Déjà, ça fait un moment que je t'ai pas vu. En même temps, ma fiche de streamer à gauche commence à s'agrandir dangereusement. Ce qui fait que souvent, je vais pas voir tout le monde, clairement, c'est mort. J'avais pas streamé pendant 3 mois vu la naissance de mon deuxième enfant. Ah, ok, d'accord. Oui, GG à toi, félicitations. Ah, waouh. Oh mon dieu, es-tu... Est-ce que c'est... Non, je vais pas te poser cette question, c'est peut-être un peu trop privé en vrai. Parce que ça me fait penser, tu vois, il y a un de mes modos, il s'appelle Kevin. Et lui, il est fan de Warframe, c'est un joueur de Warframe. Et dans Warframe, il y a un personnage qui s'appelle Excalibur, c'est un des persos qu'on peut contrôler. C'est même un peu une des mascottes du jeu. Et bah, il y a des bonnes chances d'appeler son fils Excalibur. Il est dingue en vrai. Il est dingue. Non mais je suis pas là mec, je suis pas là. Pourquoi je suis rentré dans le casier? Genre, j'avais aucune raison de faire ça. Je connais quelqu'un qui a nommé son enfant Merlin. Ah ouais, mais Merlin, c'est mec, c'est trop stylé. Ça peut être soit Merlin l'enchanteur, le sorcier. Ça peut être aussi Merlin, le personnage de DC Comics. Merlin, putain, comment il s'appelle déjà? Je sais pas si t'as déjà vu la série Gotham. C'est un Gotham, ouais. Non, Arrow. Dans la série Arrow, on le voit, il me semble. Non, c'est stylé comme nom, Merlin. Merlin, tout dépendant de comment on veut le prononcer au final. Mais non, je trouve ça stylé de fou. Moi, tu vois, mon fils, j'ai la plus grande fierté que moi, en tant que fan de Halo, de Master Chief, de Cortana, de l'univers et la franchise Halo, mon fils s'appelle John. Oh mon dieu, comment je surkiffe. vite. En vrai, les gars, on se fait pas tellement niquer. Je pensais qu'on allait se faire détruire beaucoup plus rapidement que ça.
Ça fait plus de 6 minutes au final, Andy. Je crois qu'on a gagné. J'ai gagné mon pari. Il faut réparer un gène, par exemple. Il faut réparer des gènes, s'il vous plaît. Faites vos générateurs, le plus vite possible. Yandy, il est en train de faire des trucs là. Andy est en train Matt est en train de zoner ses générateurs en vrai, les gars. Ouais, Zyrta, je t'aide. Zyrta. Re, Jojo. Et alors, bien mangé? Ça va, ça le fait, les gars. Attends, mais quoi? Il est déjà 21h17? Mais ce live est passé à une vitesse folle! Mais what the fuck? Attendez, mais je croyais que ça faisait 2h qu'on était en stream, ça fait 3h. Même, j'avais l'impression que ça faisait 1h30. C'est une dinguerie! Attends, non, mais je me trompe d'heure peut-être, non? Ah! Je me fais tirer des petits couteaux! Ah, merde. Je suis là, petit être de non-char, parce que tu es un PNJ. Vas-y. Libère-toi! Vole! T'as mangé un haricot ce soir? Oui. Oui, j'ai mangé un haricot tout à l'heure. C'était un acidulé. Là, c'était pas cool parce que je venais de prendre une pastille pour la gorge. Du coup, tu vois, j'ai pris les pastilles miel et citron qui sont très forts dans ma bouche. Et juste après, j'ai le truc acidulé. Oh, c'était intense! Oh, c'était intense dans ma bouche! Bof, j'ai assez mal au ventre. T'as mangé quoi, Jojo? bien sûr, les kunai qui passent. Mais les kunai, c'est... En fait, il est trop fort avec ses petits kunai. Et c'est pris pour Naruto, Matt. Fais-lui, T'aurais dû prendre Hinata, Andy. Si tu prends Hinata, tu peux faire la protection impénétrable, hein. Oh, merde. Ah, non, je suis pas là. Je suis pas là. Ah, lâche-moi. Non, attends. Regarde, je veux juste te. La dernière fois, on m'a fait ça en partie. Attends, je vais faire un truc. Attends. Et la dernière fois, on m'a fait ça en partie. On a monté ici. Et j'arrivais pas à frapper le mec. Toi, je sais que tu peux me frapper. Mais. Ah merde, t'es capable. Putain. Moi, j'arrivais pas à monter, genre. J'étais là comme un con en train d'utiliser Freddy, en train d'essayer de buter le mec, ça marchait pas du tout, genre. Je suis resté bloqué là giga longtemps à cause que le mec en multi m'a fait ça. Je savais même pas que tu savais déjà cette astuce de merde. C'est une astuce de pute en vrai. J'ai oublié de répondre. De mon côté, je stream DBD, Final Fantasy VII, Remake de Demon's Souls Remake. Ok, ouais, je vois. Ah bah c'est cool alors. Du coup on a DBD en commun. Je vais stream Wulong Fallen Dynasty à sa sortie. Ah bah oui, c'est le même genre de jeu que Demon's Souls. C'est un jeu difficile à ce qu'on voit, en tout cas dans les vidéos qu'on a jusqu'à maintenant. Ça a l'air assez difficile comme jeu en vrai. Je pense que tu es mieux de partir en fait, Zyrta. Il va venir vers nous, non? Ok, non, peut-être pas. J'ai rien dit. Ah oh! Hey, oh! Je n'étais pas en train de te rejeter, t'inquiète, Zyrta, ok? Merci. J'arrive, Andy! Non, je devrais pas dire ça à voix haute. Là, du coup, Matt, il va revenir. Je suis dans la merde, il m'attend. Il est là, avec ses petits couteaux.
Non mais arrête de bouger, mec. Y'a Andy, il va... Andy va se taper la crâne sur le sol. ça m'a tué. Non mais, hey, oh. C'est juste que je voulais te soigner, mais t'arrêtais pas de bouger, du coup ça m'a fait échapper la palette. C'est pas ma faute, c'est taf. Ah merde, déjà j'ai mangé une part de gâteau et une tranche de pain à 18h. Après j'ai mangé de la purée en sachet et maintenant j'ai trop mal au ventre. Mais t'as trop mangé, c'est tout. C'est un mélange de Soul Likes et Nioh. Nioh, je connais pas Nioh, Saya. Je connais pas du tout. On avait Hogwarts Legacy en commun, mais j'ai abusé du jeu, alors je n'y joue plus maintenant. Ok, mais tu l'as terminé, toi, pour le coup, Seiya, c'est ça? Ah, un générateur ici. Ok. Ah non, moi, je viens toujours de le commencer. Je fais, je fais du Hogwarts Legacy que les mardis et jeudis. Et j'ai commencé la semaine passée, je crois, il me semble. Du coup, je suis pas loin du tout, hein. Je viens à peine de récupérer mon balai, en fait. Alors, je te laisse imaginer à quel point je suis pas rendu très loin. Je joue pas hors stream, alors je n'avance pas beaucoup, mais je déguste. Je prends mon temps pour me délecter de cet univers, j'avoue. C'est vrai que je l'aime beaucoup. J'aime pas particulièrement les films pourtant, mais je sais pas, l'univers il est vraiment bien, le jeu il est vraiment bien, ouais. Je crois que je suis un peu dans la merde, les gars. Je vais un peu m'en aller. Et c'est ça, c'est tout. N'oubliez pas de faire vos générateurs, les gars. Matt, il nous laisse faire les gènes, là. Je ne joue pas à Shell à cause de Harry Potter, mais à cause de l'univers qui a été bâti autour. Non, mais clairement, le travail des devs, vraiment, quand tu rentres sur le jeu, tu vois clairement que les devs, ils ont géré, mais d'une force. Waouh, les détails, le taux de détails, le... Pour un jeu qui sort en 2023, qui est aussi peu de bugs, c'est malheureux, mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir de se dire qu'il n'y a pas tellement de bugs pour un nouveau jeu. Parce que maintenant, on est d'accord, on a l'habitude maintenant que quand un jeu sort, il est complètement flingué. j'adore The Bad Light, j'y joue là. Ah oui, bienvenue à toi, Ivoli. Oh, il a un nom de Pokémon, j'adore ça. Je suis un fan de Pokémon, alors c'est normal. Bienvenue à toi. Et du coup, tu joues à DBD sur quelle plateforme, Ivoli? La norme, c'est Cyberpunk 2077 maintenant. Non, peut-être pas la norme, tu vois, mais je comprends ce que tu veux dire, Seiya. Clairement, on se fait bien baiser. Les prix des jeux augmentent, la qualité des jeux baisse. Bah, arrive, la qualité des jeux. Attends. Je vais mesurer mes mots, c'est pas la qualité des jeux. Je dirais plutôt que c'est le peaufinement des jeux qui devient de plus en plus absent, en fait. Les jeux ne sont plus peaufinés. Une fois qu'ils sont terminés, ils les sortent direct. Avant, ils les sortent et ils les terminaient. Et après, ils les peaufinaient. Maintenant, cette étape est en train de disparaître. Ce qui est assez dommage. T'inquiète, j'arrive. C'est Zyrta ou c'est... Ouais, c'est Zyrta. Je suis là, regarde. Un petit massage, voilà. En plus, c'est tout... Non, mais j'adore ça. Andy, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi t'es mort? J'ai pas pu, j'étais déjà en train de soigner quelqu'un, hein. C'est pas ma faute. Vous m'avez cassé mon délire, comment ça? Quel délire, Andy? 2023 sera une année de ouf avec tout ce qui sort au moins... Non, mais oui. Non, mais juste Hogwarts Legacy, début d'année, après, il y a Zelda, il y a Diablo, y a... juste ces trois titres. Waouh! Même si moi, j'ai jamais joué à Zelda de ma vie, jamais joué à Diablo de ma vie, mais je vais les tester cette année. Vraiment, cette année va être folle, clairement. Clairement, cette année va être folle, hein. C'est sûr, sûr, sûr. Il n'y a même pas photo, hein. Ah!
salaud. T'es un salaud. T'as compris? Les gars, je vais me soigner. Je vais m'auto-traiter, si vous me permettez. Ah, mais non, c'est quoi ça? Mais non, c'est quoi ça? Je voulais sauter par la fenêtre. J'ai pris la foutue trousse de soins qui est vide. Bah, l'année... Non, mais l'année 2022, en vrai, il y avait des bons trucs aussi, Seiya, je trouve. Il y avait quand même... C'était une bonne année 2022, je trouve. Déjà, il y a eu un jeu Pokémon de folie, à mon avis, même s'il était complètement buggé. Non, c'était cette année, ça. Ah, je sais même plus. Je sais même plus, les gars, c'était cette année ou l'autre année avant. Je sais plus. Il y a eu une Dark... comment on appelle la Dark Anthology, nouvelle étape. Il y a deux Kari qui étaient complètement fous, je trouve. Il y a eu quoi d'autre? Il y a eu deux Callisto Protocol, je l'ai, mais tout simplement adoré. C'est une dinguerie comment j'ai aimé ce jeu. Sincèrement, il y a eu Aplextes Requiem. Pour moi, à mon avis, à mon goût, à moi, c'était le jeu de l'année. De Aplextes Requiem. Il y a eu Elden Ring. Moi, c'est pas mon genre de jeu, tu vois, mais... Non, c'est une année de fou aussi, 2022, en vrai. À me relever. Ah, ok, il fallait pas te relever, Andy. Ok, je comprends. Ok, la prochaine fois, je te relève pas, t'inquiète. Je te laisse mordre la poussière la prochaine fois, Andy. Switch, mais c'est un peu difficile. Comment ça, Ivoli? J'ai déjà joué sur Switch? Bah, j'ai déjà vu quelqu'un jouer sur Switch. J'ai une Switch. Je vois pas pourquoi ça serait plus difficile, à part les chargements peut-être, peuvent être plus longs, parce qu'on le sait très bien, la Switch, c'est la Switch. Sans oublier WW3. Ah ouais, mais bon, ça c'est à chaque année, du coup, Fox, alors. Ça compte pas, ça. Non, ça, bof. Je vous laisse, salut. Ben, merci Zirta pour les games, c'était super cool. N'hésite pas à revenir du coup à tous les lundis si tu veux venir que sur le DVD. Sinon, ben, c'est simple, je stream du lundi au vendredi de 18h à 22h. Bon jeu à toi et bonne soirée. Du coup, elle est là et elle s'en va. Non, regarde, non, non. Non mais... Ah. Est-ce que je vais utiliser comme appât? Ouais, peut-être. Est-ce que ça m'a sauvé la vie? Rien n'est moins sûr. De quoi tu parles à chaque année? Bah oui, c'est à chaque année, non? Les. Attends, comment on appelle WW3 là? Putain, c'est quoi le nom complet, Fox? What the fuck? J'arrive pas à dire le nom complet. C'est con. Avant que je me trompe de jeu, peut-être aussi, c'est possible. Ah, il est là, mon gène. Troisième guerre mondiale, MDR, un jeu. Oh, merde. Ah, merde, tu parles de ça? Oh, mon Dieu, je suis complètement fou, je crois. Non, ok, non. Ah oui, ok, non. Mais je suis con. Non. Ok, dans ma tête, j'ai fait le lien automatique. Dans ma tête, ce qui était écrit, c'était MW2, mec. Je croyais que tu parlais de Call of, mec. Oh là là, mais je suis complètement fou. Ah oui, d'accord. C'est bon, ça va, je suis mort. Vas-y, dis. Ah, merde. Oh là là. Oh non, oublie Fox. Oh merde, mais que je suis fou, je suis complètement dingue. Ah bah oui. Oh, j'ai du mérite à prendre la... Wow. C'était vraiment fou comme partie, Matt. Il nous a complètement... C'est lui qui a décidé ce qu'on faisait dans notre partie, hein. C'est une dinguerie. Mais totalement, t'as raison. Dis-moi, Ivoli, tu veux peut-être nous rejoindre?
Est-ce que tu veux venir jouer avec nous? Parce que le jeu, il est complètement cross-plateforme, alors on peut jouer... Bah, tu peux nous rejoindre, quoi. À voir si on reste encore 4 pour jouer en partie perso, sinon, moi, bof. Merde, j'ai le nez complètement bouché, quand même. C'est affreux. Est-ce que vous entendez que je parle du nez? Je voulais être joueur et mettre tout le monde P2, mais le Vittorio et toi, tu le montres... Montrais moins. Hein? Tu te montrais moins. Ah, ok, d'accord. Bien sûr, mais j'ai école demain. Je me couche à 22h30. Ah, mais ça va, Ivoli. De toute façon, je coupe à 22h, normalement. Parce que c'est ça, je fais des lives de 18 à 22h à tous les jours, alors. Je coupe dans 30 minutes, de toute façon. Alors, on a le temps de faire deux parties. Tu peux me donner ton pseudo et je t'invite. Ouais, t'as peut-être gavé Zirta, Matt. Ah, coucou Missa, comment ça va? Comment vas-tu? Comment s'est passé ton week-end, Zirta? Orlan, et quel est ton... tu vois, normalement, t'as genre un carré plus des numéros, genre, un truc comme ça. T'as comme ça, genre, t'as ton pseudo et en dessous, t'as ça, là. Carré B115, carré D4, BE, etc. Je vais t'ajouter, déjà. Du coup, Orlan... Oups. Orlan... À moins que je cherche que... Oh merde, tu crois... J'ai fait B, mais quel idiot. Allez, Orlan. C'était gare mon intention. Non, mais t'inquiète, c'est pas grave, Matt, t'inquiète. Orlan... Vas-y... Peut-être que je peux te trouver comme ça aussi. Et il y en a pas mal, en fait. Oui, il va falloir que tu m'envoies ton truc. Parce qu'il y a Orlan, il y a Orlan, il y a Orlan. Et il y a aussi Orlan. Et il y a Orlan. Orlan aussi. Et Orlan. Et il y a quand même Orlan et Orlan. Du coup, ouais, il faut vraiment le carré truc moche. Ouais, à ton tour d'être soeur, Andy. À ton tour d'être soeur. T'as oublié Orlan aussi. Exactement, j'ai oublié Orlan. C'est vrai. Y en a plein. À toi de me dire, normalement, si tu fais... tu vois, exemple, hein, justement. Moi, j'ai été comme si j'ai invité quelqu'un ou vend mon pseudo, et tu vois ton pseudo en haut, comme ça. Genre, moi, c'est Peps ID Code, et en dessous, c'est carré A553. Vous voulez ma mort en killer? Non, mais c'est pas grave. Bah, Andy, à toi de voir. Tu veux être killer ou pas? Je vais l'être si tu veux pas l'être. Ah là là. Bon, bah, coucou. Bah, c'est ça, Orlan. Imagine. Il faut quand même dire coucou à Orlan. À tous les Orlan, un à la fois. Putain. en dessus, c'est... Ah, ok, parfait. Du coup, je recommence. Orlan. Carré. 1, C5. Et là, du coup, normalement, ça devrait être toi. Voilà, c'est toi. Inviter un ami, je t'ai invité un ami, tu peux m'accepter et je vais pouvoir t'inviter dans la partie. Coucou, ça va le week? Il est passé en un claquement de doigts, mais t'as tellement raison, Missa. Je trouve aussi que c'est passé giga rapidement. Je t'invite, Orlan, tu peux, Ivoli, tu peux rejoindre. Je trouve aussi que c'est passé vraiment vite en vrai. Moi, je veux bien refaire. Non, Matt, ça va. Non, ça va. Mais Osef, t'es au chômage, toi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est pas pareil. Non, mais quand même. Il y a le... Tu vois, il y a quand même le week-end qui passe vite, puisque j'ai quand même un horaire de stream. Où est-ce que je fais... Je fais quand même moins qu'un horaire de travail, tu vois. Je fais quand même que 4 heures de stream. Même si derrière, avant et après le stream, je fais tout plein de trucs en rapport avec le stream. Du coup, je fais quand même un minimum, un 10 heures de trucs en rapport avec le stream à chaque jour.
Mais quand même, tu vois, j'ai cette impression d'être dans un boulot normal, journalier de basique, parce que bah, du coup, je me suis mis un horaire de semaine. Et surtout, il y a aussi avec les enfants, aller chercher à l'école et tout. Il y a ce délire-là, tu vois. Il y a quand même un truc. Quand même toujours un truc. Ah, ok. Alors, bonne chance à Ivoli. Bonne chance à Matt. Bonne chance à Andy. Mon meilleur ami pour la vie veut me tuer, je crois. On va voir s'il va réussir. Est-ce que ce compte comme un travail? Bah, en vrai, ça compte comme un travail. Bah oui, moi, clairement, ça compte comme un travail. Je suis payé très peu. Et j'ai un horaire fixe. Et c'est ça, c'est tout. J'ai un horaire fixe pour le faire. Et je suis payé pour le faire, même si je suis payé très peu. Alors oui, clairement, ça compte comme un travail, Dipsy. Même si, bon, au final, c'est ça. Ça va prendre beaucoup de temps avant que... qu'on puisse dire que c'est payant, vraiment, ou quoi que ce soit, toi. Merci, bonne chance à toi. Je vais faire de mon mieux à ce moment de jouer. Non, mais je pense que ça... je pense que tu devrais t'en sortir à côté de moi, Ivoli, en vrai. Je suis pas très doué. Alors, au pire des pires, bah... on va être pareil. La game a planté, mais non, s'il te plaît. Oh non. Non, mais moi non plus, je suis plus là, les gars. Faut quitter. Ok. Je redémarre le jeu. Et Matt, est-ce que tu peux nous réinviter dans quelques instants? Ah, mais nous aussi, ça buggy, hein. Nous aussi, ça buggy, Ivoli. Bon. Dipsy, on est payé, mais pas beaucoup. Très, très peu. Luna a perdu la co. Luna? Comment ça, Luna? Ah, Orlan, tu veux dire. Ouais, Ivoli. Non, mais t'inquiète, on se réinvite. Et on va repartir, c'est pas grave. Même si on a le temps de faire qu'une partie, c'est pas grave. Hein. On va quand même... on va quand même kiffer cette partie. Surtout que Andy, il était là dans la première équipe de 4. Et du coup, ça allait être son moment. Son moment de tueur. Son moment où est-ce qu'il allait faire couler le sang. Sur PS4, mon chargement est plus long. Ouais, non, mais je sais, les chargements PS4 sont très très longs, Matt. On travaille jusqu'à en avoir des sueurs et c'est tout ce qu'on mérite, Révolution. Non, mais en vrai, Dipsy, c'est la passion, hein. c'est le prix à payer de vouloir faire vraiment un truc aussi spécial que le streaming, en vrai. Aussi spécial que les jeux vidéo, mec, c'est tout un délire, en vrai, c'est... Déjà, il faut avoir de l'ambition, je pense. Il faut être patient. Il faut avoir une putain de force d'esprit pour pas commencer à se dire « Ah, aujourd'hui, j'ai eu moins de stats qu'hier !» Il faut pas regarder ça du tout. « Ah, c'est long avant que ça décolle. Ah, il y a personne à qui parler ou quoi que ce soit. » Il faut avoir une putain de force d'esprit. Mais je pense que c'est une question de patience, de persévérance. Toi, tu vas faire du sale. Mon PC installe Arc, il prend 1000 ans, ça fait plus de 2 heures. Ah ouais, merde. Bonne chance, Ivoli, pour ton chargement. C'est vrai que ça peut être long, effectivement. J'ai jamais essayé le jeu Arc. Faudrait bien que je le teste un jour. Attends, on parle bien de la même chose ou pas? Bah oui. Bah oui, Dipsy, évidemment. Du coup, Matt, après ton chargement de l'infini, tu nous invites, ou au pire tu m'invites moi et j'invite Andy et j'invite Ivoli. Bon, après je vais me faire un autre thé. Sur 172, il est à... Attends, quoi? Ah, ok. Sur 171 paquets, j'imagine. Les paquets téléchargés, genre. T'es à 76 de paquets téléchargés, j'imagine. Ah ouais, quand même, de gig. Putain, pourquoi j'ai dit paquet?
De Jake, je veux dire, évidemment. Mon Dieu. Tu parles de jeux vidéo, sauf que moi, comment dire? Toi, comment dire quoi? Tu joues aux jeux vidéo, non, Dipsy? C'est pas à ça que tu joues. Ben non, c'est vrai, toi tu joues IRL, tu joues à GTA IRL. Lui, en fait, vous savez pas, mais Dipsy, il joue pas à GTA. Lui, il sort dehors, il va taper des gens dehors, et il se dit, ouais, on joue à GTA. Non, en fait, c'est pas GTA. Chut, Fox, c'est un secret. Le jeu veut pas, je crois les serveurs ont des soucis. Ah, c'est possible. Je vais essayer de vous inviter, voir. Non, là je suis en dessous, je suis con. J'étais comme, pourquoi ça marche pas? Je suis en dessous. Peps, rejoins, non? Non, j'ai pas eu d'invite, j'ai pas vu. Je vous invite les gars, attendez. Orlan... Ah, y a Matt, il est pas là. Matt, il est pas là, Matt, il a pas pu charger le jeu. J'ai pas le choix de tout redémarrer. Vas-y, Matt. Comme par hasard, il bug quand c'est mon tour. Exactement, t'as vu? Non, c'est pas... Jarm. Ouais, c'est ça, il se défile en fait. Il sait que tu vas le... Quick. C'est pour ça. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Oh là là, ça rejoint pas. Ah, ok, non, peut-être qu'il y a un problème alors. Let's go, Andy. Tu peux le faire, tu peux le faire. Vas-y. S'il te plaît. DBD a des soucis. Ouais, c'est possible. Je crois qu'on va être obligé de... Ah, c'est dommage si on part sur ça, hein. Ça marche toujours pas. Oh, merde. Bon, ben, je crois qu'on va partir sur ça, alors. Attends, on essaie un dernier truc. Andy, test de m'inviter. Test de m'inviter. Pardonne-moi pour tous ces allers-retours, Ivoli. Normalement, je dis normalement, c'est pas aussi compliqué. Tout dépend des fois. DBD est un jeu qui bug beaucoup, en vrai. Je pense que tu l'as remarqué aussi sur Switch. j'arrête pas de t'inviter. Ah, ok, d'accord. Redémarre ton jeu, Andy. C'est sûr qu'il faut que tu redémarres. Dead by debug. Ouais, exact. Oh. J'ai l'habitude en ce moment. Non, surtout. En plus que tu télécharges Arc derrière. T'as une bonne connexion ou pas, Ivoli? Et en passant à tous les lurkers, parce que je sais qu'il y en a tout le temps. Déjà, un gros merci à tous les lurkers qui sont sur cette chaîne. Vous êtes des héros. Et bien évidemment, si vous venez de découvrir la chaîne aujourd'hui, n'hésitez pas à suivre cette chaîne. Je vous le rappelle, parce que parfois, on regarde un stream et on oublie que bah, on n'a pas suivi cette chaîne. Et surtout, bah, du coup, je stream toute la semaine de 18h à 22h. Lundi, toujours Dead by Daylight. Mardi, jeudi, les Let's Play. En ce moment, Hogwarts Legacy. Mercredi, toujours Genshin Impact. Et les vendredis, bon, on fait du Warframe tout le temps, tout le temps. Lurkman représente. Exactement. Je redémarre le jeu aussi. Bon, ben, je vais le faire aussi. Hein. Ah, ok, d'accord. Mais non, mais j'ai vu. Tes invitations marchaient, Andy. Tes invitations, je les avais ici. Elles étaient là. Elles marchaient. Désolé. C'est juste que j'ai pas de notif. J'oublie tout le temps. J'ai pas de notif Xbox, Andy, c'est pour ça. j'ai Jason aussi en cartouche. Ah, le jeu Jason, tu veux dire, Ivoli? Je l'ai jamais joué. ce serait cool du DBD le mardi au lieu du lundi, mais ça tomberait sur les jours de mise à jour, les mardis. Ouais, mais non, j'aimerais pas ça, en vrai. J'aime beaucoup commencer la semaine sur DBD, Matt. Mais ça me dérange pas de pas être le jour de la mise à jour, vraiment. Ça me dérange pas du tout, je dois choisir, j'ai pas le choix de faire le choix, de toute façon, et... J'aime mieux, tu veux kiffer mon moment le lundi sur DBD. C'est bien, même si je rage. Pourquoi tu rages? Pourquoi est-ce que tu ragerais sur Jason? Ah, parce qu'il a un masque, t'as toujours rêvé de voir son beau visage tout rond, c'est ça? Et c'est à ce moment que lui se retourne. C'est toujours toi la première victime, merde.
Malheureusement, j'ai vu qu'il y a très très peu de personnes qui jouent à Jason maintenant. S'il y aurait autant de personnes, ou moitié moins de personnes qui joueraient sur Jason, le jeu de Jason, je le téléchargerais aussi et je jouerais, je crois, 50-50. Un lundi DBD, un lundi Jason. Un lundi DBD, un lundi Jason. Je pense que je ferais ça, mais... Il n'y a pas assez de personnes sur Jason. Et je sais même pas si j'aimerais, parce que j'ai jamais joué en vrai. On m'a dit que c'était plein de hackers sur Jason, je sais pas si c'est vrai. C'est Friday 13, c'est vrai. C'est Friday 13, c'est pas Jason. Matt, est-ce que ton redémarrage est terminé? Est-ce que tu peux nous inviter ou pas encore? Ah ouais, tu penses qu'il va prendre autant de temps à télécharger que ça, Ivoli? What the fuck, ok, ouais. Je te turtine. T'es con. Ah, tu m'as tué. Bon, allez, j'essaie d'inviter une dernière fois parce qu'après j'aurai plus le temps, sinon je vous invite. Voyons voir, Matt il est là. Andy il est là. Roland est là. Je t'ai invité, ok. J'ai pas reçu d'invite, mec. Ah, quoique. Je crois que ça marche. Ok, on va inviter les personnes de ta partie. Comme ça, les gars, vous avez pas un pin à la con. Parce que moi, je suis au Canada, du coup, vous allez avoir un pin de merde. Et bien évidemment, Andy, je ne peux plus l'inviter parce qu'il est déjà là. Non, il est pas là. Andy, viens avec nous. Oui, il était toute la journée à se télécharger. Ah ouais, ok, ouais, je vois. J'ai tout prévu. Non, mais là, il manque une personne. Ah oui, non, c'est ça, il manque... Non, mais on peut pas éviter Andy. Il faut éviter Andy. Andy. Attends, je vais l'éviter à partir d'ici. Andy, il est là, les gars. Il est juste ici, invité à un jeu. Voilà, normalement, tu l'as reçu, Andy, et tu peux rejoindre. Il est déjà là, Peps. Bah non. Ah, bah oui. Oh, merde, je suis con. Ok. Il m'a pas vu. Non, oui, je t'ai vu, t'inquiète. C'était juste pour voir si t'étais réveillé. Ouais, c'était pour être sûr, genre. Allez, mets un bot, Matt, et on démarre la partie. Go. Après, je pourrais pas. Je peux pas rester longtemps, les gars. Il me reste 10 minutes. Vas-y, crie son nom encore plus fort et tourne autour de... Hein? Et tourne autour de toi devant ton miroir. Mais quoi? C'est un peu chelou, ce que tu imagines, Dipsy, je t'avoue. Est-ce que par hasard, t'aurais un runcop chelou pour dire des trucs comme ça, Dipsy? Allez, c'est parti. On va faire... Je vais être ton Cid, si tu veux bien, Andy. On l'a fait complètement. Bah oui. Tu vas aller manquer l'esprit d'Andy. Ouais, exact. Exactement. Ah non, c'est encore bugué, je crois, non? Oh! Jojo qui donne un énorme coup sur Dust of War. Vous avez déjà tapé presque 10 000 points de vie sur Dust of War. Félicitations à Jojo, félicitations à tous ceux qui ont déjà frappé Dust of War. Je vous rappelle que si vous tuez le stream boss, vous gagnez ou vous faites... du coup, vous comptabilisez des nouveaux boss tués sur votre badge pour soit gagner le badge de tueur de boss ou soit le faire évoluer. C'est un killer que je joue pas souvent. Ok. Ouais, t'inquiète. Des excuses. Les excuses, ça se dit pas avant, normalement. Ça se dit après, Andy. Que personne ne juge mon niveau. J'ai oublié de chanter les perks. De changer les perks, j'imagine que tu voulais dire. Parce que chanter, c'est... ouais, tout ça, quoi.
Je m'acharne comme un fou contre le stream boss. J'ai vu, Jojo, j'ai vu. Bah, en vrai, si tu tapes toujours en premier comme ça, tu vas être l'un des premiers qui va évoluer. Parce que là, je vois, t'as participé à 5. T'as été là quand 5 boss ont été tués, Jojo. Du coup, je crois que t'es dans les maximums. Je crois qu'il y a juste Miss qui est au-dessus, qui a 6, je pense. Je suis même pas sûr. Let's go. On les répare des générateurs, ça va bien se passer. Non, c'est pas juste. Frérot, tu m'as pas vu. Oh mec, j'ai tellement été nul. Ah, j'ai tellement été nul. J'ai vu les beaux yeux bleus de Andy et tout d'un coup, j'ai été charmé. Et je me suis laissé envoûter par sa lame. Oh merde. Bon, Andy. Ben, c'est plutôt toi qui a fait du sale, là, dès le début, en vrai. Ouais, je suis tous comme un fumeur, exact. C'est affreux, mec. On observe les gars. On regarde ce qui se passe, mais on reste pas devant. Oh merde. Non, c'était pas prévu ça. Quoi? J'étais à ça de me faire niquer les gars. Ah non! Ah, il m'a trop bien eu. Non, c'est pas juste. Attendez, je vais juste me soigner en fait. Faut que je me secoue. Non, faut que je me soigne. Je crois que Peps nous cache son addiction à la... Quoi? Ah ok, oui, je comprends, à cause du fumeur. Non, pas du tout. Non, je fume pas, Dipsy. Non, je fume pas du tout. Je trouve que ça pue. Ça pue la merde. Ben, quoique... Non, en vrai, bon... Il y a des trucs que je trouve qui ça va, mais pas tout. Pas tout, quoi. De toute façon, ça m'arrive jamais. Ça m'arrive une fois par année. Jojo a toujours rêvé de rencontrer Justin Bieber. Ah, je le savais, ça, Jojo. Je sais que c'est ton idole, hein. T'inquiète. Ok, je peux me secouer ou un truc. Non, j'arrête pas de voir le tsoir. Ça m'énerve. tu peux le prendre dans les deux sens, mais oui, je parlais en tant que fumeur. Ouais, c'est ça, Dipsy, c'est ça. J'ai peur pour le voir, mais... il me voit aussi le gros souci. Ah oui, oui, ben oui, ben oui. Comme tu dis, c'est un gros souci. Ah, il m'énerve avec son double, là, qui me regarde. Dipsy prend parfois des cafés avec Claptrap. Oh putain, on l'aime, Claptrap en plus, on l'adore. C'est quoi Claptrap? Claptrap, c'est le perso le plus drôle dans Borderlands, Dipsy. C'est un petit robot idiot, en fait, Dipsy.
Pour résumer, je pense que c'est le meilleur résumé que tu peux dire, c'est un petit robot idiot. Ah merde, Matt! J'avais pas vu que t'étais sur le crochet, j'arrive! Ah mais oui, je le trouve trop bien! Bah oui, il est trop bien, évidemment! Ah ouais! Non! Vas-y, vite! On va l'avoir! Ah, il court que après Matt! Ah, il est cool, mais très con. Pourquoi je me sens visé? Je sais pas. C'est une bonne question. T'inquiète. Oh, Orlan, je peux te soigner. Ah, aouh! Ah, merde, il est là! Ah, je crois que c'était le faux! Non! Je suis plus là! Merde! Oh le con, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce qu'au final je ressemblerai pas à Claptrap? Mais totalement. Oh bien. Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne sais pas du tout, Servus. Je crois que j'ai fait de la D comme Matt aime le dire en fait. Je suis caché. Non, les gars. Faut partir d'ici, on entend son cœur. Mais. Putain, j'entends toujours son cœur, bientôt je deviendrai juste clap. Ah oui, c'est ça, exact. Mais qu'est-ce que j'entends? Aïe! Ah non, putain, il est pas là. Il faut trouver un générateur. Il a raison, notre service. Oui. Ah, ok, c'est pas lui. Qu'est-ce qu'il y a? Ah! What the fuck? Il est passé à côté de moi! J'ai même pas vu! Si Matt se fait prendre, je le prends direct. Ben, je l'aide direct. Je me planque. Voli qui se planque. Oh merde. Ok, fiu. Ah, ok, non, mais Andy, tu en veux un Matt de fou. T'en veux un Matt de fou, là. Tu l'auras pas. T'auras pas, Matt. T'auras pas, Matt. T'auras pas, Matt. Tu peux pas l'avoir, Matt. Mec, what the fuck? Il y a tellement de passages de trucs, là. J'essaie de le bloquer, mais ça marche pas. C'est une dinguerie. Qu'est-ce qui se passe? Bon, ben, Ivoli, je crois que c'était pas une vraie partie. Au final, il y a vraiment juste Andy qui joue tout seul avec Matt. Ah oui, non, elle est là. Ben, oui, il est là. Pardon, Ivoli, je dois dire elle ou lui quand je parle de toi. C'est mieux, je demande, tu vois, parce que là, à chaque fois, je suis comme, ah, c'est elle ou lui. Oh, merde. Je peux... Ah, attends. Ah, ok, d'accord. Il me tue pas du tout, en fait. Je suis tout seul à le bloquer au maximum, c'est fou. Non, c'est bien d'être un Teletubbies. Oui, totalement. J'aime bien les Teletubbies aussi. Bah non. T'as pas le droit de faire ça. Ah, pas du tout, je suis pas d'accord. Ah
On t'a tellement aidé, c'était trop beau. Vous, Wendy. Ah merde. Vous, Wendy. Bon, tape-moi, moi je dois y aller. Malheureusement, je dois vous quitter. Alors tu peux me taper, Andy, parce que je dois quitter cette partie. Alors tue-moi en bonne et due forme. Bon, bah, je vais laisser tunnel Matt. Moi, je vais devoir vous laisser, les gars. Cette partie qui n'était pas une vraie partie. Oh. Oh là 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 là. Malheureusement, j'ai des trucs à faire. Comme je vous ai dit, je suis arrivé très très tard cette nuit. J'ai pas beaucoup dormi. Et là, j'avais des trucs à régler. Alors, je dois vous laisser. Un peu bizarre cette partie. Oui, un peu très bizarre cette partie en vrai. Oh, du coup, j'espère que vous avez kiffé quand même. On a bien rigolé. Comme tout le temps, le lundi, c'est toujours un peu con, je pense. Bye bye, à la prochaine, évidemment. Comme je le dis, je stream du DBD à tous les lundis. N'hésitez pas. On va quand même regarder si on se tape un petit raid sur nos potos qui sont sur DBD aussi. Qui est là? Qui est là sur DBD peut-être? Ok. Bah, encore une fois, toutes les personnes qui j'ai l'habitude de raid ne sont pas en ce moment sur DBD. Du coup, ce qu'on va faire. Qu'est-ce qu'on fait? On raid qui? Ah, ben il y a quand même Mel. Ah, en vrai, il y a Mel. Je vais la raid. Vous savez quoi? Je vais raid Mel. Ça fait très longtemps que je l'ai pas raid. Je ne parle pas de Mel. Je parle de la deuxième Mel, Andy. Parce que je sais de quelle Mel tu as en tête. Mais je vois pas. Je vois pas Nymeria en ligne. Du coup, moi, je vais vous souhaiter, comme d'habitude, un très bon jeu, une très bonne soirée. Je vous dis à demain, on poursuit le let's play de Hogwarts Legacy. Dans la bonne humeur et dans la... Oh, dans plus que la bonne humeur, la fierté de découvrir un univers si beau, en vrai, de vrai. C'est pas trop une vraie partie. Non mais exactement, Matt, c'est pas du tout une vraie partie. Vous avez joué, c'est Andy et Matt, ils ont joué ensemble et c'est tout, genre. Nous, Evoli et moi, on était des figurants, genre, c'était n'importe quoi. Bon, du coup, je vous laisse et je vous dis à demain. Le raid va commencer dès que l'écran de fin apparaît. Sur ce, bon jeu, bye bye!